Bonsoir et merci encore une fois, bienvenue sur la plateforme Haïti Edu Action. Jeudi à 16 mai, nous avons gagné une spéciale présentation dans l'occasion fête drapeau pays d'Haïti. Avant même que nous commencions quoi que ce soit, nous avons une pensée spéciale sous question ça, son aspect qui n'a pas fait l'objet de controverses, qui est toujours à l'abri de toute forme de discussion. C'est la participation des ancêtres femmes nous, depuis la traversée, passer dans l'esclavage, tomber dans le goumen, passer dans le fait drapeau, jusqu'à ce que nous existions comme pays. Contribution femme à saluer tout le temps avant même que nous commencions la présentation. Ça. 6 1er janvier, mobiliser en pile énergie. Et cependant, aspect familial li fait que li pas mobilisé autant d'énergie que 18 mai. On dirait que 18 mai, c'est grande fête nationale qui mettait communauté noire dans l'état que lié. Et c'est un phénomène qui surprenant l'on a observé li. On dirait que gon bagay qui sorti, qui vient résoudre, ne serait-ce que pour journée ça, crise d'identité que nous gagnons parce que les sans haïtiens juste dans zone particulièrement éducateurs yo qui gagne possibilité dans certaines écoles pour yo ouais jeunes yo particulièrement et un jeune yo c'est comme si yo en transe ce jour-là et me pense que et l'on perspective malgré que tu capable gagner nécessité li exister pour énergie ça canaliser. Mais présence énergie ça a déjà autorisé nous continuer espérer le changement pays d'Haïti. La question symbole nous connaît les n'a parlé de drapeau et ben c'est symbole pays nous et pays nous aujourd'hui a traversé un moment très difficile. Et que c'est l'en parade, que c'est l'en discours, que c'est la festivité toute qualité ça qu'a fait yo Haïti Edu Action pas souhaité lui-même rater type d'occasion ça yo pour lui répondre à mission que le bail tête lui l'aime considérer gros l'histoire derrière drapeau nous l'aime considérer qu'aucune fierté tout que ça bail et pour cause et l'aime pas observer réalité pays nous aujourd'hui que drapeau a symbolisé et bien Haïti Edu Action prend position côté que l'al bousquer, il continue de bousquer toujours la communauté a pour joindre compatriotes qui kembe connexion avec milieu et qui dispose mettre compétences au service de communauté yo. C'est ainsi que li brasser bras pour bras avec meilleur mode production pour nous un petit peu à côté de toute ça qui semble folklorique mais pour nous font travail d'interaction pendant moment qu'on va le passer là jusqu'à 8 heures avec en tête nous l'espoir pour nous inciter compatriotes continuer goumen parce que histoire ba nous rendez-vous aujourd'hui a pour nous continuer écrire parce que ça fait pays d'Haïti a aussi belle que lié aussi extraordinaire que lié l'époque finie. Jodia et nous gagnons deux conférenciers qui habituent à venir sur la plateforme Haïti Edu Action. C'est Dr. Roselore François et Dr. Pierre Modestin Lubin. Et bien, la rencontre spéciale ça que nous gagnons aujourd'hui, présentateur yo pour le passé, pour le fond travail, l'on approche qui gagne la donnée, psychologie, sociologie, politique et l'histoire. Pour yon touche 4 points. Y a passé de rapport, y a passé histoire de rapport en bas microscope pour yon déterminer qui sak vrai et qui sak faux dans l'histoire de rapport ça, bicolon noir. Y a utilisé un cadre théorique psychoanalytique pour yon porter lumière sur formation différentes personnalités à identité haïtienne qui engendrait différents courants idéologiques qui existaient dans la société haïtienne. Y a démontré tout. Ça qui fait difficile, mais pas impossible,
pour l'Union fait la force atterrir en Haïti. Puis important, et c'est très certainement toujours raison ça, particulièrement de M. Sayo qui fait nous toujours inviter conférencier Sayo, c'est la quatrième partie. C'est qui plus important encore, c'est que yo pral offrir bon genre recommandation comment pour l'Union la force là blaï en Haïti. Et c'est aspect ça surtout Haïti Education très sensible avec lui, il connaît monsieur yo pas jambe lésiné sous parler exactement genre yo comprendre situation yo à la lumière de recherche yo et de analyse yo. Ou recommandation toujours bon, parce qu'en réalité, monsieur, yo, le yo fin analyse, question on t'avle dit pour nous-mêmes, le fin compte tout ça, le fin constate tout ça, ça n'a pas fait à ça. Qui ça a fait à ça? Qui j'en a fait pour nous sortir dans ça? Qui ça nous a fait pour nous sortir dans ça? Et pas qui ça nous pral commencer pour nous sortir dans ça? En guise de rappel, Dr. Pierre Modestin Lubin, c'est un éducateur expérimenté et qui enseigne à l'Université McGill, dans le département des études intégrées, dans l'éducation. Après une carrière distinguée qu'il a fait dans Marine Corps aux États-Unis, il prend un baccalauréat en psychologie dans l'Université de New York. Il fait une maîtrise en développement et éducation internationale avec une spécialisation en curriculum et enseignement à l'Université Columbia. Ils font l'autre maîtrise en éducation comparative avec spécialisation en psychologie organisationnelle, toujours à l'Université Columbia. Et ils font doctorat en études éducationnelles à l'Université McGill. Docteur Lubin, il y a tout une spécialisation à une certification en éducation spéciale et en administration et supervision scolaire. Il a accumulé plus que 20 années d'expérience dans l'enseignement préscolaire, maternel, primaire, secondaire et universitaire. Son parent, son humaniste, son nègre, ça m'a ajouté lui. Il n'est pas côté me prend bio, mais son nègre, code nombre de coupé avec Haïti. C'est Haïti le coupé, donc ça veut dire ma connaît avec dans toute ça l'a fait, toute étude ça que nous avons dit, eh bien, il a été déroulé avec Haïti au centre dans tout travail de recherche. Docteur Roselor François, son spécialiste en éducation, après que le fin prend licence, il prend diplôme de licence en sciences éducation avec une concentration dans l'histoire de l'Université Adventiste Haïti, il joint une maîtrise, il fait une maîtrise en sciences éducation avec une spécialisation en administration scolaire dans l'Université Monte Morelos au Mexique. Ensuite, il fait l'autre maîtrise en leadership éducatif. Et ils font doctorat en études éducationnelles dans le département des études intégrées dans l'éducation, dans l'université McGill au Canada. Docteur François Tou a accumulé plus qu'une vingtaine d'années d'expérience dans l'enseignement primaire, secondaire, supérieur en tant qu'enseignant, formateur de formateurs, doyen de faculté, chef de projet éducatif, auteur dans le domaine littérature, jeunesse, et conférencier, chercheur et consultant. C'est toujours un plaisir qu'Haïti Education plie le bien bas pour saluer M. Sayo, qui par exemple marche des concours pour répondre à l'appel. Et je dis assez doublement à contentement parce que occasion spéciale. Docteur Roselor François, Docteur Pierre Modestin Lubin, bonsoir dans notre toute équipe Haïti Education, plateforme dans pour nous. Bonsoir, Zamim Frem Moussini. Et bonsoir, Nadège. Et bonsoir à toutes les amis Frem, Sem, Haïtiens qui branchent et conférence là dans Haïti Education actuellement. Je suis content en pile avec nous, c'est un plaisir pour moi avec nous, surtout que nous allons parler de Haïti, de l'histoire d'Haïti. Donc, c'est un grand plaisir pour moi. Moi, sans plus tarder, on a commencé. Alors, j'ai annoncé, c'est pour qui ça? Oh, eh bien, ma prise de justice, ça vient ça a commencé ou bien on fait ça après justice? Ma fait ça, vous mettez. Ok.
OK, donc pour que ça l'union fait la force pour qu'on caractérise en Haïti. Et nous gagnons. Petit moment, un problème technique. OK. D'accord. Nous démarrer. Alors, grand point, d'abord, on a présenté l'approche que nous avons adoptée dans la présentation. Ça. Ensuite, on a présenté coup de jet un bricolage critique, parce que nous toujours défini nous comme dans l'histoire, comme un bricolage critique. Avec nous faisons le bricolage historique, sous historiographie de la voie. Ensuite, on a présenté les principales composantes d'une nation. Et puis, on a parlé de pouvoir symbolique. Parce que nous connaissons le drapeau à l'ouvre pouvoir symbolique là-dedans. Et ensuite, on a fait un coup de jet critique sous l'idée historique yo, avec drapeau, yo, tout drapeau. Yo. Et finalement, sixième partie, on a passé Konna et camarade de justice pour lui faire une analyse psychologique sous Zach, l'idée historique. Ça. Zach avec comportement, l'idée historique. Ça. OK? D'abord, approche nous adopter la présentation. Ça. Nous disons que étude drapeau généralement il y a les ça sont sciences liées en sciences sociales il y a les livres vexillologie donc étude drapeau ou bien la vexillologie dit par nature multidisciplinaire et donc il engage plusieurs disciplines et nous venons par exemple chercheurs dans domaine art, domaine histoire, domaine anthropologie, domaine études afro-américaines et l'autre discipline encore, faire recherche sous drapeau dans le domaine paille. Donc, et ça fait, ça c'est selon un chercheur, Platov, Anne Platov, l'Université de Californie. Et ça fait, là, présentation ça, nous adopter une approche pluridisciplinaire, approche chacun de ta job là. Parce que, pas bien que Haïti, Haïtien, c'est en Afrique, c'est africain, oui, en fait. Donc, nous faisons une révolution africaine en terre américaine. Donc, nous utilisons l'approche pluridisciplinaire de chacun de ces jobs-là pour nous analyser. C'est-à-dire, c'est analyser le phénomène africain quand vous utilisez des outils ou bien deux ou plusieurs outils dans plusieurs disciplines. Et les outils, ça, on l'a utilisé, chaque discipline, il y a une bénéficier de nouvelles connaissances. Dans le champ, séparément. Donc, c'est l'approche ça que nous disons. Approche chacun de ta job. Et discipline qui alimente les réflexions, ça, oui, c'est histoire, oralité, politique, anthropologie, éthique culturelle. Alors, je veux dire, le guetan se confond éthique culturelle avec sociologie, ouais, et psychologie. D'abord, nous essayons de faire un coup de jet. En tant que bricolage, en tant que tenant de bricolage critique, nous avons essayé de faire un coup de jet sur critique sous narrative de rapport. Et nous regardons nous que en pile, nous connaissons que plus fort historien haïtien, c'est généralement c'est en pile mulat. Dès le départ, c'est en pile mulat. Et nous voyons que c'est plus mulat qui te fait mémoire et tout, et c'est, excepté peut-être sur l'ouverture avec Isaac l'ouverture. Après ça, toute notre mémoire qu'elle était. L'on prend qu'il était Bonnet, qu'il était Rigaud, qu'il était Julien Raymond, qu'il était Balthazar et Trésorier de Saline. OK. Tout ça, tout c'est. En fait, c'était écrit, et mémoire, écrit histoire, donc c'est ce que nous ensuite, David Nicole parle de un peu d'histoire et qui écrit histoire, qui construit un mythe. Un mythe pour les mulattes. Et bi histoire mulattes, ça lié que ce soit Saint-Rémy, que ce soit Ardouin, excepté Madjou, mais tout mulattes, ça y a écrit histoire d'une seule bi. C'est voyer Pétion monter, puis haut passer tout l'autre monde. Donc, Pétion, nous connaissons qui c'est le leader, classe mulattes là, donc c'est monsieur, écrit histoire pour voir monsieur monter. Ma bon exemple, Saint-Rémy dit que Pétion Anne Alexandre, n'a qui a pas au prince le 2 avril
1770. Monsieur dit, nul ne fut plus grand avant comme après dans les faces de l'Amérique. Ouais. Monsieur dit, pas de monde qui est plus grand par ses pétitions, ni avant ni après. Ouais. Donc, pour montrer que Negio, vraiment, Negio, c'est pétition, c'est lui-même qui s'en est comme Dalou, qui focus sur l'histoire. Ensuite, nous entrons là maintenant dans la diversité sociale. Majou Akadouen, il a interrogé un pile ancien soldat la guerre de Palestine pour l'histoire, selon Philippe Girard. Mais nous voyons que, il y a l'autre source qui, même plus valable, parce que c'est sous ça. Parce que nous connaissons que Andan Vodoua, c'est là qui gagne masse là, masse ancien Bossalio. C'est là qu'on a une perspective ancien Bossalio, Andan Vodoua. Et tradition, yo, histoire, yo, conte, chante, société secrète, yo, surtout. Ouais. Donc c'est là, on mémoire pour exploiter, pour écrire l'histoire. Et nous avons fait, par exemple, bon monde, bon anthropologue, qui est Anne Leslie Brice, une haïtienne, qui est dans l'université d'England, qui fait son gros recherche sur ça, sous mémoire avec pouvoir en Nangodoua. Donc, et, on peut, par exemple, bon personnage qui est important, puis dans l'histoire de Saline, dans l'histoire d'Haïti, ou femme, que l'histoire qui est là-bas, en Baïdoli. Ouais, c'est Grand Guiton. Grand Guiton dans la carrière. Ils ont un gros rôle dans ça. Donc, c'est Métor, et on a Métor, on a conseillé de Saline. Donc, c'est plus dans l'histoire, dans le droit, on a plus à parler de Grand Guiton dans la carrière. La Mérotte. Alors, l'autre chose à voir, c'est Archive. Histoire, ça, officiel, on n'a pas utilisé Archive coloniale. Et il y a absence de documents archivaux dans le travail et historien haïtien. Selon Michel Hector, c'est seulement Jérôme Laurent qui a eu chance de consulter une partie dans l'archive. Après ça, l'autre historien haïtien, il a ignoré ça. Et ça fait, après travail historien, alors anthropologue haïtien, et Michel Wolf, qui a fait, l'année 90, eh bien, mon académie anglophone vient mettre un bouton gros intérêt. Gros focus sur l'évolution haïtienne. Et c'est ça, d'après Dr. Lou, c'est Lucien Joseph Relé, The Haitian Turn, et tournant haïtien. Donc, vous avez en pile, plusieurs centaines de nouveaux travaux qui fait avec archives sous l'histoire de l'évolution haïtienne. Donc, il y a là, vient l'autre perspective qui est développée. Et ça fait un travail, ça que nous présentons là, nous utilisons en pile dans le monde, en pile dans le nouveau travail qui fait. Ouais, par exemple, une autre avec nous disons par l'appel de c'est drapeau vaudoua, norme sacrée du vaudou haïtien. Ouais, donc que yon que Anne M. Platoff utilisait. Nous utilisons tout le travail monta pour Dayan Johan dans l'université Berkeley, Californie. Travail tout haïtienne, non tout haïtienne que nous les Anne Sibris, Gérard Magloire, tout notre haïtienne de nous. Donc tout ça, c'est nouveau travail qui fait sur ça. Maintenant, nous entrons dans la principale composante de la nation. Une nation qui est à peu près, selon Guillaume et Og, et plus et collègues chercheurs, qui est à peu près 10 gros composantes. Vous avez une composante spatiale là, c'est territoire là, frontière, ouais. Ensuite, vous avez une composante humaine là, un groupe de monde, hommes et femmes, assez homogènes. Vous avez une composante idéologique là, quand on a une mémoire commune de l'histoire et mythe et royaux. Vous avez une composante culturelle là, langue, folklore, religion, compétences, valeurs, etc. Ensuite, nous avons une composante symbolique là. C'est un drapeau à l'air, nom, emblème, hymne et devise. Ensuite, nous avons une composante sociale, composante politique, économique, juridique, temporelle. Et une composante symbolique, ça a gagné un pouvoir symbolique. Il y a un pouvoir symbolique. Et là, on parle de pouvoir symbolique. Mon chercheur qui fait un pile de travail un peu sur ça, son référence lien, par rapport à lui-même, c'est Bourdieu. OK? Femme d'oublier que. Bourdieu parle de pouvoir ça. Il dit que c'est un pouvoir de nommer, classer et situer qui est posé à énonciateur et à destinataire une définition de réalité. À travers un processus ou par dissocier de cognition, de communication et de contrôle. Parce qu'il dit que c'est un pouvoir pour faire mon ouais, faire mon quoi, pour confirmer, pour transformer vision du monde. Et il dit là, bon action sur le monde. Et donc, bon pouvoir quasi magique qui permet que vous venez. Ça, nous allons obtenir l'équivalent de ce qui est obtenu par la force physique et économique. Ouais, donc son pouvoir qui est très puissant. Le pouvoir de mobilisation.
Et du pouvoir ça, son pouvoir qui reconnu. Qui reconnu. Et là où, par exemple, yon moun ou gon symbole ou pas un pouvoir, et bien c'est parce que ou dans l'arbitraire. De ou dans l'arbitraire ou pas un pouvoir. Parce que ou symbole là pas fait effet. Pour le faire. Et, vous je dis encore, le pouvoir symbolique, il pas chita dans le système symbolique. Par exemple, il pas chita dans la chose la même. C'est pas là. Là, son force illusoire, objet aïe. Il nous pouvoir définir surtout la relation déterminée entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui le subissent. Ça veut dire ces relations entre monde qui porte symbole là avec monde qui recevoir symbole là. Donc ça important en pile, ça fait ça nous mettre en rouge parce que n'a plus sous encore. Exemple, pouvoir moyo. Moyo gain pouvoir. Mais c'est pas moyo en tant que tel qui pouvoir. C'est légitimité moyo. Et avec moun ka prononcer moyo, avec moun ki pete croyance dans moyo. Donc là encore c'est moun ki pote ka prononcer moyo, c'est moun ça qui fait qui a pouvoir, qui a impact. Ouais? Donc c'est pas moyo qui produit pouvoir, mais c'est surtout moun ki ba moyo légitime nan, moun lè a prononcer moyo. Nous avons un exemple, par exemple, François Duvalier. François Duvalier était venu avec symbole. Il a utilisé deux plus gros symboles dans la révolution haïtienne. Qui c'est d'abord l'idéal des alignés. Hein? Et ensuite, drapeau, premier drapeau nation. Hein? Drapeau noir et rouge. Là. Donc nous voyons que Duvalier même toujours dit c'est plus gros tort, monsieur fait nation. Les monsieur perverti, deux plus gros symboles de la nation. Nous avons utilisé drapeau noir et rouge. Et vous nous avez parlé, vous avez associé drapeau ça à Duvalier. Alors que c'est d'abonnation, pour une d'abonnation. Et que l'autre qui dit que c'est des alignés, qui pervertit ces bois à tout. Parce qu'il n'y a pas de. Un bouchon dit que c'est des alignés. Mais il n'y a pas rien pour avoir des salines. Action, pas rien pour avoir des salines. Ni politique, ni idéologique, pas rien pour avoir des salines. Mais il a dit que c'est des alignés, donc il pervertit ces bois-là. Il faut faire minimiser, dévaloriser. C'est là pour aller. Eh bien, on dit, bien pour la nation, Allah, ça a son moyen naturel et puissant pour exprimer point de vue sur la nation. Donc, de pouvoir drapeau ou une nation. Et drapeau fait partie de la subjectivité. Ça veut dire que nous connectons avec tout ça nous lié. Drapeau, son symbole puissant lié. Symbole là, on dit que scientifique, que littéraire, que religieux, que philosophique, que esthétique, que métaphysique. Symbole là, il y a dans une acception morale ou pas séparer de l'acception sociale là et politique là. Ils font seuls, ils m'apprennent quoi ensemble. Il y a aussi un point important. Ça veut dire que le pouvoir symbolique se définit dans et par une relation déterminée entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui le subissent. Entre le monde qui exerce le pouvoir et le monde qui subit le pouvoir. Oui, c'est relation ça, c'est le même qui est important. Exactement. Nous allons mettre en phase sur ça, sur l'idée historique, relation avec masse peuple. Ça a un côté comme bien-être pour masse peuple. OK? Mais ça y a brouillé avec masse peuple. Ligne idéologique. Couché sous l'idée historique, ça. Nous considérons vraiment un groupe de leaders historiques. D'abord, Christian Louberti, André Rigaud. Nous avons 350 Rigaudiens. Que Majou dit, next hour, ils ont un gros rôle dans le devenir pays. Les 350 Rigaudiens. Pendant la guerre du Sud, les négociations finissent par défaite là. Ils sont partis avec Rigaud, avec Pétion et tout le monde. Ils sont en France. Et ils sont sous battre expédition. Oui. Donc, next time, on va devenir Haïti, j'en ai dit. Ensuite, on a Henri Christophe et avec Dessalines. Donc, c'est à peu près ce groupe Mounsaïo qui est le leader historique. Et maintenant, nous avons chaque Mounsaïo de drapeau. Tout ça, l'ouverture. Drapeau, monsieur, c'est bleu, blanc, rouge, la France, non? André Rigaud, bleu, blanc, rouge, la France, non? Dessalines, bleu, à rouge, là. Ensuite, on a noir, à rouge, là. Henri Christophe, noir, à rouge. Et Pétion avec Rigaudin, bleu à rouge. Et puis devant, nous voyons la signification, quelqu'un de la peau, ça a eu. Et ça a été porté comme symbole, comme message. Et sa couleur, tout couleur signifie tout. Maintenant, mission l'État. Premier État nation, État de Saline, non? Mission, c'est de défendre l'indépendance pays à protection liberté. Et d'après Jean-Alix René, il dit, Dessalines, nous avons battu comme mission pour défendre l'indépendance et protéger la liberté. C'est ça que fait. Dessalines, tu as un rôle, papa, liberté, protéger la liberté. Et rôle, c'est ça. Ouais. Et ça, tu as une idée de faire, tu as un plan fait. Le plan, c'est de mettre en place un État puissant qui est capable de satisfaire l'exigence du contexte
hostile moi la critique là parce que c'est une hostilité contre Haïti. Haïti vraiment tout le monde veut faire valise sur Haïti, donc nous mettons les gens étaient puissants. Ils ont un pire de liberté. J'en te dis là. OK? Côté de vous tout les ça ou libre mais sont en pire qu'à défendre liberté. Et les amis, nous avons compétence pour ça, nous avons expertise pour ça, nous avons capacité pour ça. Et ça fait mandat, monsieur, premièrement, première priorité, nous avons mandat là. C'était ça, mandat, c'était ça, c'est comme priorité, défendre liberté. Et ça a été sous tête tout l'autre intérêt particulier. Et ça fait, selon l'autorité, vous avez entendu ça, vous avez créé ça, tout citoyen a été de fait intérêt, paix, fait intérêt, fait silence. Chaque fois qu'il intéresse ça, il contredit défense et dépendance de la liberté. Depuis intéresse ça, aller à l'encontre de défense de liberté, c'est faire le dormi. Donc ça fait un sens de savoir que n'importe quoi, Christophe, à question, il trahit par ça. Parce qu'il va mettre intérêt sous tête ça, il va diviser le pays. Après, le pays, il y a un pays qui parle de problème. Et, monsieur, il prend engagement. Il prend trois gros engagements. Le premier gros engagement, c'est l'acte de dépendance. Il y a un juré solennellement, puis il renonce à la France. OK? Et des engagements, yo jure, yo dit que yo reconnaît que des amis c'est protecteur liberté a tout peuple là d'accord, peuple là même monsieur, peuple là d'amour monsieur, yo que peuple là quoi là monsieur qui a défendre liberté a, yo va monsieur va me pouvoir. Yo dit monsieur nous non comme gouverneur général à vie, yo va me pouvoir. Yo jure pour ça. Et tout n'a signé. Au nom du peuple d'Haïti, yo signé. Tout général aussi en balle. Premier engagement. Deuxième engagement, c'est la constitution encore. Yo déclaré que constitution ça c'est expression libre, spontanée et invariable de cœur de volonté de tout le monde net. Et au bas de la constitution, application sur un pays. Engagement solennel. Et là, ça fait que ça. Parce que déjà, il y a un pouvoir légitime. Un pouvoir légitime. Un pouvoir. Faut dire bien, il y a une crise, il y a une grosse crise. Leader émergé. L'idée qui a expertise là, l'idée qui a capacité à se même émerger comme leader légitime. Moun qui a porté le constant, moun qui a défendre, qui a résolu la crise la guerre, hein, c'est l'idée de pouvoir légitime dans la même. La moment ça, des alignes avec génie militaire là, avec ça, surtout comme action déjà, ça, déjà comme expérience, comme action, comme bilan que vous avez déjà, c'est balle légitimité. Historien, on dit que. Je dis que Pétion, il a quitté très bagarre, très formé, très bagarre, qui a en pile capacité, capacité de domination. Nous avons mis les chapeaux devant des salines. Il y a des gens qui sont capables de faire ça. Nous faire. Et nous changeons vraiment la canne à Pierrot, le son de ce bal éclair là, avec le général français, la plus grande armée du monde. 700 personnes contre 15 000 personnes. J'aime se battre avec vous, la canne à Pierrot. Donc, son jeune militaire qui est reconnu nationalement comme internationalement. Il était peur, monsieur, en pile de saline. Et, exemple, Pétion, Christophe. Pétion, les détails de Mouyoukina là, Pétion, par des commissions, la vice et d'option dans le capital de pays. Pétion capitulé. D'après document, qui rapport commission ça a fait, qui n'a archivé en France, David Nicole dit que Pétion est fini d'accord pour le bail et la France il l'a. Pour la France, il y a des esclavages, il y a des esclavages, il y a des esclavages. Il négocie avec Nagyon. C'est Christophe qui a un plan de défense dans la zone nord. Christophe avec l'Angleterre, qui a un contact, qui a pression sous pression. Et ça fait que Pétion a été dans une bataille et il a mis obligé de bataille une bataille proportionnelle à sa débat. Nous avons proposé de couper un indemnité pour le bac colon, un indemnité. Donc, monsieur dit que la peine d'amnité, et monsieur, il faut bien avoir ça. Que Boye va l'appliquer. Boye va pas le faire. Vous comprenez? Donc, Pétion, pas d'expertise. Christophe Lim, Christophe tué Medina. Christophe tué Medina. Je me souviens, Pétion capitulé. Parce que Christophe est un militaire, tout militaire à guerre, qui n'a quitté le sud de Saline, qui a pris en pile de Saline. De Gabon Libération, 18 mai, 1803. Liberté ou la mort, bleu rouge là. Des alignes de, depuis le mois de mars, il y a un petit février, il y a un petit mois de mars, des gens qui ont couru vers le drapeau noir et bleu, blanc, rouge, vert, ça c'est le même drapeau nous, drapeau ingénieur, le même drapeau haïtien. Donc, des alignes, brigade dans des alignes, ouais, ça les alignes fait, des alignes changent d'abord. Il y a un petit blanc, il fait bleu, rouge, là. Maintenant, il y a des gens qui pensent que bleu rouge, ça, c'est même bleu rouge qui est la France. Les Alliés ont changé la couleur annexe, s'il te plaît.
Ça fait qu'il y a même couleur ça, même bleu rouge là. Eh bien, c'est parce que il y a un sens pour lui. Quel sens bleu rouge ça a dans la tête de Saline? D'abord, forme nous bien. De Saline fait drapeau ça, il fait drapeau ça sous symbole, un symbole d'unité. Bleu ou ça, il va j'aime vous faire comprendre, il va rapidement. Il va représenter Mdadou et jaune avec noir. C'est-à-dire monde pour clair illumination avec noir. Non. Mais de Saline a un discours d'unité. Parce que vous dit là noir et jaune. Il dit que entendons-nous parce que nous avons même seule famille là. Nous avons même calamité on a passé, même misère tout pareil, donc même soit réservé pour nous-mêmes. Et l'air dit ça parce que connaît que l'éclair était par l'ordre de ma mission, par l'agent, avec une armée pour éliminer toute la grève. Et justement, ça avec l'aide, ça a servi, utilisé pour rallier les gens. Ok? Donc, M. Piégé l'éclair, il connaît que rêve la France, mission la France, c'est de détruire tout net. Donc, ça fait, M. dit que nous avons le même bateau, entendons-nous. Et M. dit que tout autant que nous ne pouvons pas entendre nous, il dit que liberté nous dépend de l'entente ça, de l'union ça. OK? Donc c'est Saline qui vient avec l'union faire la poste. Et c'est garantie liberté nous, tout ce que nous pas entendre nous. Si Haïti besoin, vraiment, besoin, démarrer, besoin sauver, il faut que les noirs et les jaunes entendent nous. Et là, on entend la fête, nous sommes battables, nous sommes invincibles, nous sommes invincibles. Lorsque nous sommes Gaba, de Saline, Bantonner, de Saline, nous sommes invincibles. OK? Donc, et m'dou dit ça, l'homme la patriote, pas qui a battu. Nous sommes en Gaba, nous Gaba, nous sommes Bantonner. OK? Et nous connaissons même encore Alain Burel. Ouais. Nous connaissons encore Dilodé. Et ça, patriote en pile. Ouais. Donc, c'est hélas, ça lui a été. L'union fait la force, c'est l'allié. Ouais. Ensuite, il se met à ce que je dis que couleur bleue, elle représente haïtien, qui est africain. Ok? Tandis que couleur rouge, même, c'est haïtien, petit européen ou africain. Et ça vous dit comme interprétation traditionnelle là. Mais non, il n'est pas salié. En tête de Saline, il n'est pas salié. Non. Drapeau, son indicateur qui est lié. Et on dit que c'est difficile pour comprendre si il casse le drapeau comme indicateur individuel ou bien un groupe de drapeau, plusieurs drapeaux, sans ou pas examiner le contexte. Contexte côté drapeau, côté drapeau, côté indicateur, ça a eu créé et puis utilisé. Ça fait n'importe pour utiliser le contexte pour comprendre. Sans signification pour le drapeau bleu rouge. Certains historiens disent que Dessalines te parlait en langue Congo, Congo. Et Congo, ça, son attribution que pour nation, tribu africaine, que Arada, Nago, Congo, Fon, Igbo, Bambara. Et on dit que son langage tout, que moun qui initié en Vodou, il parle tout. Donc, ça montre que Dessalines sont qui initié en Vodou, en Vodou. Et effectivement, Karen McCarthy Brown, si tu n'es pas Amnesty Brice, dit que si vous avez besoin de comprendre Dessalines, c'est à travers le prisme de Ogou Terraï. Ogou. Formez-vous l'en ligne Ogou pour comprendre Dessalines. Pour comprendre l'histoire, torture, triomphe de Dessalines. Pour comprendre l'histoire, libération. Parce que Ogou Terraï marque bataille, marque toute ligne politique, l'idéologie révolutionnaire. Là. Récit dit que Dessalines était choisi, selon l'historien, quelqu'un qui dit que Dessalines était choisi pour les drapeaux ça, sous un religion vaudou. Dessalines était là en top, la mérote, la caille grande guiton, à caille. C'est là que j'ai choisi couleur. Et rouge et bleu, il symbolise Dieu vaudou, Dieu de la guerre, au goût. Ogou Ferraï, Ogou Badagri, Ogou Chango. Ogou, conquérant, soldat, politicien, protecteur, selon Anne Plot. Et Max Beauvoir lui-même dit que bleu rouge là, c'est Ogou Ferraï, Dieu de la guerre et de la politique, selon Diane Jean. Maintenant, valeur spirituelle couleur. La Vodoua travaille, Anne-Marie Petoff, et nous travaillons sur ça, lui montre que toute nation, et loi, nation, famille, et couleur. Il y a par exemple telle loi dans qui nation il appartient, qui famille il appartient, elle va domaine influence loi ça, elle va couleur. On travaille qui dans la qui fait bien lui.
et couleur pour chaque loi ça. Ouais, par exemple, il dit que Bossou Petro est associé à la food, à la facilité, à la protection contre les dommages. Et couleur c'est rouge, noir et blanc. Azaka, Zaka, Rada, protecteur de l'agriculture, des récoltes, bleu et rouge, etc. Ogou, par exemple, Ogou bien Ogoum, Rada Petro, loi du fer et de la forge, triomphe, autorité, pionnier et pouvoir. Souvent représenté comme général militaire. L'ultime esprit masculin qui est le maître du fer et seigneur de la guerre. Ouais, Ogou également utilisé pour désigner toute une famille de lois, machette, épée, enfoncée dans la terre, etc. Écharpe rouge et drapeau rouge, la couleur, oui, c'est couleur au bout. Ok? Donc, nous voyons que bleu rouge, là, nous avons la signification en tête de Saline. Ok? Maintenant, de Saline changer drapeau, il est tiré bleu, mais il n'a pas passé par noir. Et tout qui était rouge, là, c'est couleur au bout, couleur, protection, couleur, protection, liberté. Maintenant, nous avons mis noir, noir. Noir, la constitution. Monsieur Balle, il a répété parce que la constitution dit que depuis que nous, selon l'article 14-16 constitution, 14-16, depuis que nous sommes sur ça, quand tu es blanc, quand tu es jaune, quand tu es noir, oui, noir. C'est ça, il valorise le noir là. Et tout, d'après nouveau, et alors, nouvelle anthropologie, sur l'histoire révolution haïtienne, non, il a dit que c'est une couleur noire, c'est une couleur qui passe en bas de pied. Et bien, monsieur prend le level, il met dans l'air. En l'air, il met dans l'air. Donc, c'est ça, noir représente tout haïtien. Et c'est ça, Gérard Magloire dit là. La constitution 1850 fait, ça a une change de bleu, elle met dans le noir. Ok? Il représente tout, tout le monde, toute couleur. Mais pétion, les pétion pas changer. Tourner avec, après la vie de Zahine, il y a tourné avec bleu ou blanc. Et nous, pétion changer disposition. Il y a une bonne verticale, elle met dans une bonne horizontale. Et nous, avec grand pile, nous avons initié au mystique qui dit que. Les personnes retirées verticales là, ça a son gros. Sur le plan mystique, nous avons un gros dommage. C'est comme dans le monsieur retiré jour, ce pays là, et puis nous avons des ténèbres. C'est ça, en plus, nous avons mystique, avec formation initiale, je le dis. Bon, on va entrer dans le point ça. Mais gars pour Pétion. Gars pour Pétion, gars pour 300 Hugo Dénio. Ok? Et couleur rouge ça, et bleu rouge ça, et d'après ça, ils ont leur signification lui-même. Parce qu'ils disent directement de. C'est comme dans le. Les États-Unis ont retiré blanc, les gens pensent que c'est la France qui les prend, ils retirent blanc, ils retirent. Alors que bleu, ça, c'est la couleur qu'il y a là. C'est la couleur de la ville de Paris. Et on dit couleur blanche, ça, c'est emblème, moi, je pense à ça. Ouais. Donc, bleu, c'est bleu d'azur, couleur symbolique de Jupiter, consacrée à l'occidentalisme. Donc, c'est couleur occident. Les affaires. Monsieur, ça a été opté pour un Haïti, une république très franco-centrique. Même projet république de la France, là, dans le valeur république de la France, c'est le même que valeur domination, moun noir, moun pauvre, moun noir, etc. C'est le même que nous avons incarné en deux modèles de la république de ça. Tout ça, Louverti, qui définit être comme un Français. Je dis, c'est parti, monsieur, c'est Français. Ouais, texte, ça, c'est le même, lui-même. Je dis que je ne servis pas ma patrie pour l'intérêt. Je n'ai pas servi ma patrie pour l'intérêt. Ouais, donc monsieur comme Français. Et monsieur dit que je n'ai jamais essuyé même des reproches de la part de mes maîtres. Ça c'est grave. Hein? Donc c'est un esclave qui était docile, donc donc son Français. Donc monsieur était épousé. Je nous dis dans son argent colonial. Ouais, qui était voué à la France et qui était croyant à la France et monsieur payé. Ça, il paye quoi, c'est ça, il paye ça. Ok? Napoléon dit que c'est le plus généreux, le plus modéré des généraux noirs. Et dit que, tandis que Dessalines Christophe Clairvaux, c'était les plus exagérés, les plus opposés à l'autorité de la France. Et c'est pas hasard qu'il faut avoir question avec ça, qui va signer avant, depuis avant une déclaration d'indépendance. Dessalines Christophe Clairvaux. Rigaud, une déclaration qui bâtit base politique parce qu'il y a Hugo Dénio. Frère du Sud, deux classes d'hommes, cadre sympathique et la classe des dégoûtantes. Classe des intelligents, classe des incapables. Ok? Monsieur dit place incapable, c'est la montagne, il y a une chasse dans le monde. Et là, pour que ça, l'idéologie, ça fait Hugo Dénio, il pourrait aller influencer politique Hugo Dénio. Quelle des pétitions, quelle des boyers, tout le monde. La France, selon
voyé Gastonnet, la France n'avait pas renoncé à son à ses domaines. La France était voyé Rigaud avec et mettait une escadre de 4 frégates et de 4 briques qui était un l'ordre pour accompagner Rigaud prendre il l'a encore pour la France. Et on dit que là Rigaud rentre en Haïti et puis monsieur mourit très rapidement. Ça vient faire que ça ruine l'espérance. Et pas moi qui dit c'est Henri Gastonnet qui dit. Ouais, vous dites que Rigaud était interné d'abord à Agen, ensuite je viens Port-au-Prince avec mission d'accepter mission. Effectivement, on dit que Rigaud était en prison, tout était en prison. Ouais, tout ça en main, tout ça tu es tout ça, mais Rigaud lui-même Rigaud sont en prison. Hein. Donc on veut ça ici avec une mission. Ouais. Donc c'est ça le mais si on s'est plus grand disciple Rigaud. Là nous ça là Gaspard Théodore Moyen dit lui, vous avez même ouais, même vision politique avec Apigo. Ouais. Et on dit que ça va te montrer au dévoué à la France. Malgré que vous avez un problème, vous avez un Nicolon, pour le français, c'est le même, mais vous avez montré au dévoué à la France. Et favorable à la caste, favorable à caste minette. Et Molien dit quoi que politique avec ambition, c'est séparé de la France. Mais on dit que vous avez des inclinaisons qui attachent monsieur invariablement à la France. Et 350 gouttes, vous avez fait un code rural, vous avez fait un code rural, quel code rural il y a. Dans le dispositif de Crélio, nous avons appliqué l'idée rigoureuse net. Quand nous avons mis les paysans en monde, travailler en monde, ok? Pour la ville, il faut un visa. Ensuite, il va mettre les paysans en Baptistan. Baptiste est paysan. Oui? Et puis, mon avis, le Baptiste est mon avis. Ensuite, il fait Pétionville. Pétionville, c'est Bastion, mon grâce supérieure. Donc, que toutes nos rues Pétionville, c'est des noms de nappe. Excepté toutes les ouvertures. Qui sont quand même un allié pour eux qui vient non de Pétionville. Et on parle que les gens mettent non pas que non pas que avec Grégoire non sur la visa et tout donc allié et tout ouais donc c'est là nous arrivons dans le moment où nous arrivons là après là on a passé quoi là-bas Pierre Lubin côté monsieur justice docteur justice pour lui mettre en phase sur analyse psychologique et comportement du historique ça ok. Ok, merci en pile, Roseau. Moi, apprécié ça. Et depuis un dérapement, faut que moi dis nous, moi content avec nous encore aujourd'hui. Et depuis que moi avec Haïti Éducation, c'est toujours en pile l'amour. Et moi senti c'est un coup son Simon. Excusez-moi, vidéo a été fermée. Donc, depuis que moi avec nous, moi senti c'est un petit monde, et j'ai dit en anglais, qui c'est in Candyland. Donc, si nous voyons que moi préparé pour me faire s'opérer avec. Donc, passez-y. C'est parce que moi content. Mais avant que moi dérape, moi t'a aimé saisir opportunité ça pour moi réellement voyer quelques salutations avec remerciement spécial pour une série de monde que moi ouais et pas ouais tout le monde mais pour ça que moi ka ouais devant écran là pour me remercier yo en pile pour tout l'amour yo et pour tout ça que yo partagé avec moi et moi reconnaître que moi même si m'ka là ouwenn c'est parce que des mon gen mon et c'est yo qui depuis m'te ti 4-4 a élevé dans la cour Brooklyn New York depuis à l'âge de 7 ans c'est yo même qui assumé responsabilité yo et qui pour élever m dans jan tradition africaine nan di c'est un village qui élevé yon chovi donc moi ouais là par exemple moi ouais espace créole et moi connais que c'est un gros potorique garçon qui est les Ménès de joie avec yon reine qui est les Marie Lili Serra qui derrière organisation ça qui a fait une série de travail solide moi ouais moun bibliothécaire tant coup Jean refusé là moi voulais dire merci en pile pour tout ça que les gens partager avec et qui ajouter sous moi moi ouais moun tant coup Guy Bozil qui toujours là qui a encouragé moi et qui a bon l'amour et n'a fait échange ça et moi qui a senti synergie à docteur Saint-Gosse
qui c'est moi-même forme d'où ça c'est number one, bien que moi grand pile zanmi moi qui c'est médecin, mais docteur Saint-Gosse, you are my number one doctor and I am your number one fan. Donc moi voulais remercier un autre grand historien que moi connais qui avait nous là moi well, c'est Alain Louis Hall qui montrait en pile leçon et moi puiser en pile de travail li, et qui ajoutait sous valeur. Merci Alain Louis Hall. Et semaine passée Haïti éducation ak sagesse li et avec mission pour li éduquer, rééduquer, il était invité maître Franly Julien qui t'a partagé avec nous des leçons très importantes. Moi ouais maître Franly Julien là. Donc moi remercie le salutations, chapeau bas. Et donc avec tout l'autre monde, moi ouais on dame, on reine qui en pile qui contribue en pile dans ça que moi hier jodi a parce que là nous qu'on organiser c'est monde qui toujours a assuré que moi en ordre, c'est monde tant que Vertuli Vincent. Merci reine Vertuli Vincent pour tout ça ou contribuer à faire que moi hier jodi a. Donc sans que moi en général, moi remercier tout le monde et moi excusez-moi si que moi pas gagné yon chance et gagne un monde que moi pas saluer, c'est pas faute moi. Donc kounya là, m'gal essayer partager écran nan pour que moi ka commencer présentation qui a très bref parce que moi-même avec docteur Ozo, nous ta réellement remet rentrer nos interactions. Donc rapidement témoin commencer et OK témoin ouais m'a témoin arrangé viewer reading view OK donc c'est que cette présentation comme docteur Ozo t'a partagé avec nous c'est pour qui ça l'union fait la force pour qu'on ca atterri en Haïti. Donc moi responsable pour deuxième partie là et pour que moi ca porter petite contribution pam nan à toute humilité m'a prend une perspective psychoanalytique et m'a poser question d'une manière qui plus opérationnelle, ouais. M'a demandé ça fait li difficile pour haïtien met tête ensemble pour yo accompli gros bagay a gen grand bataille tant que bataille crête à pied wo et bataille vertière ça fait ça et bagay ça li réellement vle di en pile pour moi parce que les moi petit 4-4 à l'âge 7 ans m'a élevé dans Crown Heights Brooklyn m'a gardé l'autre groupe moun notamment juif yo jan que yo met tête ensemble yo organisé pour yo faire grand bagaille moi même ap gade dominique yo ouais qui c'est voisin nous en Haïti jan que yo vini nan Brooklyn yo met tête yo ensemble et yo contrôler ça que yo rele bodega yo côté ti dépanneur y ap vend tout bagaille mais moi ouais que depuis petit moun ça li frustré moi li bon problème que m'pa jamais wè que haïtien a meté tête yo ensemble ouais li difficile gagner des exceptions des cas exceptionnels mais en général en grosso modo pour yo ta meté tête yo ensemble pour y a faire des grands bagages et gagner grand bataille et surtout leur considérer qui est-ce que nous y est nous sont peuple par vertu des histoires nous grand pile moun qui remet nous et mais c'est comme ça tout grand pile monde qui parle mais nous pour ça que nous représenter donc nous gagner toute raison pour nous ta maconné et pour nous pas jamais éparpiller pour nous rester maconné pour nous faire l'union faire la force même pour protéger intégrité nous pour nous rester vivant ouais donc c'est ça que fait présentation ça livré dit en pile pour moi
et moi te moins content que moi partager panel ça avec cavalier Paul Camouin, docteur Roselot François et qui mettait histoire là, li correct et moi même kounye a moi pral pran yon approche psychoanalytique pour moi ça fait ça en avancer. Là, premièrement, on fait contexte là. Contexte là n'a parlé de noir dans Hispaniola à Saint-Domingue de 1517 à 1791. Et moi puisé de travail Arsenault à cause 2006. Côté que premier groupe noir que et qui a privé Hispaniola côté Panyolio pral converti yo en esclave et li très important les que n'a parlé pour nous parler très correct que pas bien africain esclave qui vient en Haïti mais c'est un processus yo passé africain pour yo vinn faire esclave et ou connaît que ou gon bon esclave nan mon les que ou ka enlever chaîne yo nan pied nan main et ou lagué individua sous plantation et on connaît que le pape courir, li pa pral pran kachapikal pou le piko pendant ou ap dormi. Là on connaît que on gon esclave. Donc commencé en 1617, c'est là ça que ou panyol yo espagnol yo de l'Espagne yo pral importer 15,000 noirs nan colonia à l'époque qui était Hispaniola pour yo fè yo tourner esclave. En 1681, te gagné 2000 esclaves dans la colonie Saint-Domingue là. Laisse ça qu'on y a français yo remplacé et panyol yo qui te gon système économique nda que yo établi, français yo remplacé par le colbertisme. Yo même en 1681, yo gagné 2000 esclaves. En 1701, te gagné 10,000 esclaves dans colonie Saint-Domingue qui pas espagnol encore mais qui changé maître en 1687 dans traité de Ryswick yo officialisé côté que colonie parti l'est là dans île là c'est pour français gangster français qui prend colonie dans main gangster espagnol en 1720 colons français yo te commencé à importer 8,000 noirs chaque année pour yo converti yo pour yo passer yo dans machine dans processus qui pour venir faire yo esclave. De 1764 à 1771 colon yo importé de 10,000 à 15,000 noirs chaque année. En 1786 colon yo importé 26 commencé bah là bon vous comprendre Haïti colonie très lucratif, comprendre côté selon CLA James, plus que 67% de tout revenu extérieur la France a sorti directement des colonies. Ha, yo besoin plus main d'œuvre. En 1787, colon yo importé 40,000 noirs dans colonie. Et dans l'année 1787, te gen à peu près 450,000 noirs na colonie Saint-Domingue. En avancé. Li important que pour nous noter que oui na colonie Saint-Domingue tout noir c'est noir mais tout noir pas de même statut na colonie Saint-Domingue. Nous te gen esclave de champ côté Wolio c'est couper canne, ramasser coton, planter tabac, ramasser tabac, nous te gen esclave maison, tant ou ou bien esclave domestique qui a travaillé dans caille, qui caillon cocher, tant ou tout sain l'ouverture. Reprend, nous te gen esclave commandeur, tant ou commandeur, tant ou on dit yon tout sain l'ouverture et gen historien qui dit que Christophe te fait yon temps comme yon commandeur tout te gen esclave bossal ça c'est esclave qui a sorti en Afrique yo et plus que yo poko baptisé yo d'après injonction
le code noir, donc yo considéré yo bossal, yo poko chrétien, gen esclave créole qui fait nan colonie, ouais, qui pas fait yo qui fait nan colonie Saint-Domingue, yo considéré yo esclave créole, te gen mulat, même que mot ça son mot péjoratif, moi pas rien utiliser. Et si nous regardons l'étymologie moa, nous voyons qu'il y a sorti de mulet, côté que les que, par exemple, yon bourrik avec un cheval fait petit, petit là, vini en mulet, et mulet ça, il n'y a pas qu'à reproduire. Donc, mulet là, son mot péjoratif, comprenez? Mais pour compréhension, nous utilisons, te gen mulet qui c'est yon souvent, c'est yon blanc qui viole yon femme noire qui pral bay yon mulat, et gen moun ki même ta vle fè konnen que te genyen femme esclave ou bien femme noire qui en amour mulat, donc ou pa ka considérer ça comme viol. Oui, c'est viol lié parce que garçon blanc qui dans relation il te gain autorité sous femme là, donc il te ka toujours coercer femme là pour femme là accepter. C'est ça type de viol, ça y aurait le quid pro quo. Te gain affranchi qui noir, ça veut dire on série de noir qui pat dans esclavage dans colonie, te gain même noir qui te met esclave tout. Tant que nous connaissons à un point, par exemple, Toussaint te gen esclave, li te gen propre plantation. Et te gen série de noirs qui, depuis bateau, li accroché, qui prend mon nan pou yo, qui pa jam esclave, qui marron, et gen noir qui te nan plantation, qui sauve, qui aljouen yo. Tant que on moun, tant que Dessaline, qui te yon esclave de champ, mais éventuellement qui te vin yon neg marron. Donc ça que moi ta remè que nous retenu, c'est que tout noir c'est noir, mais tout noir nan colonie Saint-Domingue nan pas gagnen même statut. Ça très important. Ça très important surtout les nous considérer comment personnalité moun formé. C'est que personnalité li clair ou pas fait avec, c'est une série de conditions sociales qui pral bay personnalité naissance. Et nous devons noter tout que personnalité surtout les outil moun li pas statique et li nan état de développement, mais plus wap grand moun living relativement stable et prédictable. Ça, c'est personnalité. Et c'est très important. Now, nous prenons le garder yon cadre théorique. C'est yon cadre théorique psychoanalytique proposé par Sigmund Freud, qui c'est père psychoanalyse. Now, selon Freud, gagne 5 conditions majeures qui façonnent personnalité moun. 1, c'est maturité, c'est que normalement yon ti bébé qui poko kon parler avec marché, l'elvin kon parler à cause de maturité, li vin apprendre marché à parler, personnalité a façonné. Frustration externe, c'est yon l'autre bagay qui vraiment forme personnalité. Et notamment, n'a parlé dans psychologie, il y a une distinction entre privation et déprivation. Privation, c'est les gon bagay qui nan environnement, mais on pas ka gen accès avèl. Ou vle gen accès avèl, mais on pas ka gen accès avèl, donc li engendre frustration. On dit esclave là, la planté joumou, la kèyi joumou, mais joumou là, li pa ka manje joumou, li pa ka fè soupe à joumou. Donc ça c'est privation. Mais si par exemple joumou li pa existe dans plantation et li anvi manje, ça c'est déprivation. Conflit interne,
Ouais. On dit que, imaginez, yon esclave qui anti esclavagiste, li pa reme ça, mais yo force yo mette nan position côté que li son commandeur et l'ap simen koko makak sous l'autre noir pareil li. Donc ça engendre dans psychologie ça y rele dissonance cognitif côté que valeur ça reme pas compatible, pas matché avec comportement. Donc ça engendre conflit interne et ça son l'autre aspect qui façonne personnalité à tout. Insuffisance personnelle son l'autre élément qui façonne personnalité à. On dit si que yon esclave ou bien yon individu pas qu'on lit et gonseye des bagailles comprendre que le tarin mais gain accès à yo mais le pas connaît donc ça engendre normalement frustration et finalement ou gain sacré les anxiété avec la pérèse qui façonnait personnalité à tout. On dit par exemple gon série des esclaves qui était dans plantation Saint-Domingue qui a demandé ah si nous vinn libre kounye a qui ça que nous pral faire. Vous comprenez? Les nous pas gen moun qui pou di nous qui est pour nous lever, qui est pour nous aller dans le champ, etc. Qui ça pour nous aller faire? Donc, ça tout li engendre anxiété avec ambivalence parce que l'on pas connaît sa demain à poter, li engendre anxiété. Donc, ça, c'est 5 facteurs ça selon Freud, père psychanalyse, qui offre nous 5 bagay sa yo ki façonné en personnalité. Na les humains à cause de condition, à cause de frustration, à cause de conflit interne, ak anxiété. Hein? Page de présentation. Oh, désolé. Pas changer. Oui, moi changer li. OK. Nous pas page présentation pas changer. Oh, désolé. On moun te do dim ça. Excusez-moi. Moi fait apprendre que pendant tout parler m'a parlé ça bien que moi prépare une série de belles PowerPoint pour nous mais moi apprendre que page là pas jamais bougé que il était sous première page là. Donc m'a font rapide parce que moi crois que li important pour me ta partager page yo avec nous. Mais est-ce que OK. I can't believe ça arrivé moi. OK. Désolé. OK. Ça c'était page première page là. Est-ce que kounya l'a changé selon ça que nous ka wè? Ah, est-ce que page changé kounya ozo? Moi partager li? Non, nous poko cher. Oui, bien sûr. Oh. Share screen. Share. OK, est-ce voilà. Que ça c'était première yon perspective? Okay. Ça c'est différent noir qui te gagne dans Hispaniola à Saint-Domingue de 1517 à 1791. Désolé, et ça c'est pour me te montrer que tout noir c'est noir, mais tout noir pas de même statut dans colonie Saint-Domingue et personnalité humaine mais c'est pas un bagay qui est statique surtout leur petit monde mais plus ou grand monde il commence à plus stable et plus prédictable et mais selon Sigmund Freud il y a 5 conditions majeures qui façonnent personnalité yon monde c'est notamment maturité frustration conflit interne insuffisance personnelle anxiété avec la pérèse et c'est là que nous arrivons.
côté les humains li frustré, les gen conflit interne, anxiété, la pérèse, il y a quatre façons que li essayer résoudre ça. Notamment li utiliser sacré les mécanismes de défense, sublimation, transformer interne à fusion, à corrompu et identification à compromis, désolé. Donc nous pas pour ça que nous vinn régler jodi a trois premiers yo mécanismes de défense, sublimation, transformer interne à fusion compromis transformer instinct en fusion à compromis pour ça nous vinn régler jodi a yo pas relevant yo pas important mais nous pral concentrer sous identification et identification li clé et li pral aider nous comprendre différentes personnalités haïtiennes en résultat de ça t'a passé condition yo dans plantation basé sous statut yo réalité yo et en plus li pral aider nous comprendre comment que personnalité vin déboucher en philosophie et philosophie pral ba nous idéologie et c'est idéologie prend philosophie à idéologie personnalité li vin bon sacré les praxis ça veut dire yon série de pratiques qui pa vaille que vaille bien que ou pas ka ou ka pa konnen sak fò a pa agi comme ça mais gay idéologie à philosophie qui derrière. Donc on avance en garder ça ensemble. OK? Identification. Selon Freud, identification c'est les yon moun incorporer qualité yon l'autre moun, li pas obligé yon l'autre moun li gen droit même yon animal ou bien yon objet nan propre personnalité. Par exemple, ou gen wa wè on moun li dou li se yon ame tiger man. Donc ou wè la fè par exemple tout qualité de opération, moun kon wè moun kon sa. Et sou ale sou YouTube ou bien Google ou tape tiger man, ou ap wè gen moun ki arrive fonse de chirurgie très élaboré côté que pou yo transforme tête yo pou yo vin semblé par exemple yon tig tant que moi t'ai tapé Google et moi gon individu Michel li même fan bouche li et range oreille li pou vin semblé yon tig donc pou me répéter c'est que identification selon Freud c'est le yon moun incorporé qualité yon l'autre moun ou bien yon animal ou yon objet nan propre personnalité. Et Freud identifié quatre types de identification. Premier type d'identification que Freud identifié, c'est ça que li rele narcissis. Léon moun son narcissis que lié, li gon l'amour exagéré pour tête li. Donc par conséquent moun sa li gon tendance c'est moun ki genye même caractéristique sa yo li fréquenté et Freud pou élaborer sou ça li même ba yon exemple tant kou ou gen droit wè par exemple gon série de frères on dit par exemple ki al nan gym et lè al nan gym yal fè ponyèt yo si tellement en amour avec tête yo et frère ça c'est seul l'autre moun par exemple qui gen même ça que li possédé que li ka tombé en amour avec elle. Donc ou gen pou wè souvent en pile frère qui réellement concentré nan gym qui toujours a fait ponyèt en pile là-dedans yo c'est homosexuel parce que ça que yo gagné yo si tellement en amour avec tête yo c'est l'autre moun qui gen même bagay là que yo en amour avec. Ça c'est premier. Ou gagne identification avec yon objet perdu.
Identification avec un objet perdu, c'est par exemple les que yon individus pour yon raison yon lot yon bagay que li bay valeur disparaît ou bien nan ville sans que le pa comprenne sa k passé ou bien qui disparaît ou bien abandonné. Prend par exemple yon ti moun qui te ka genye maman un ti moun à l'âge de 4 ans 5 ans pour yon raison maman disparaît dans ville sans maman pas dit bye bye ou bien maman abandonné un petit garçon ça a pas saisi si demain ou est que li rentrer dans ça que les cross dressing côté que l'a habillé tant que femme bien que li gen droit homosexuel ou bien pas homosexuel mais li habillé tant kou femme parce que les que li habillé tant kou femme nan c'est tant kou objet perdu ça l'a essayé retrouver. Donc c'est ça que Freud relait identification avec yon objet perdu. Identification ak yon bourreau. Souvent les moun trouvé tête yon non situation que gagné yon bourreau yon transgresseur, yon kolon ki ap agresse yo, kap si men koko makak si yo, kap mette zouti nan men yo, ki yo pa abitye, yap bat yo, yume sa, souvent yo kon vin identifiye avec bourreau a, paske yo peur punition a, donc yo marche en ligne, yo conforme yo, pou yo pa pran makak. Quatrième forme d'identification, hein, c'est orienté envers yon but. C'est que toute société, c'est que yon, selon sociologue Robert Merton, il dit que toute société crée des buts pour citoyens yon, et yon définit qui ça qui succès, qui ça qui réussite sociale. Donc, identification orientée vers un but, c'est là que ou identifier que OK tel monde ou bien tel groupe c'est yo qui réussit dans société a, donc m'a imité yo parce que si imité yo m'a fait succès tout m'a réussi. Donc kounya an gade application sa yo mais n'a utiliser les quatre grands les quatre grands héros indépendance pour nous voir comment nous ca appliquer théorie identification de Sigmund Freud là et pour nous faire ça n'a gardé condition avec statut que héros ça yo te gagné dans colonie Saint-Domingue là n'a gardé personnalité yo selon cadre moi saute partager avec nous identification. Et n'a gardé comment ça a pral vin déboucher dans philosophie ou comment que yo wè l'autre haïtien avec l'autre monde et éventuellement idéologie et avec praxis yo. Ça veut dire action qui guidée par idéologie. Now on prend Pétion. Pétion lui-même dans colonie Saint-Domingue là, c'était un mulat. C'est un colon qui en cette moment et il s'est résultat union ça donc colon lui-même il s'était un affranchi il était libre dans colonie hein? Ouais et donc nous qu'a dit colon le fait que colon hein, blanc français a grand ça que yo t'apprend les grand blanc parce que t'es gen différent qualité de blanc tout dans colonie t'es gen grand blanc petit blanc avec engagé mais grand blanc dans colonie c'est lui qui t'es gen pouvoir lui t'es gen même pouvoir la mort la vie ou la mort donc Pétion comme yon mulat affranchi si nous voulons comprendre personnalité lui t'es obligé identifier tout noir invariablement presque et seulement nous pral wè nan marron yo yo té obligé plus ou moins toujours gen exception mais à yon grand degré identifié avec bourreau et yo
pétion tout li orienté li approprié pour nous dire que li était identifié identification li orienté envers yon but. Ça veut dire l'el garder l'el penser de ça qui ont qui succès c'est blanc français qui ka parler français qui gen pou clair ou on prend qui eurocentrique ouais et d'autant plus le fait que Pétion lui-même papal c'était un blanc et c'est papal qui gen pouvoir mais pendant ce temps li pa jam ka gen accès avec papa et surtout Jean histoire rapporté nous papa Pétion pat fin trop en amour avec parce que Pétion te gen trop caractéristique africain li pat trop blanc en dit tant pour seul là donc Pétion inconsciemment li toujours ap chercher papal et c'est ça que fait ou pral ouais Pétion selon François Brière c'est premier monde qui pral proposer que Haïti paye la France pour indépendance li. Oui selon François Brière et c'est docteur Roseau qui pote ça à attention moi ouais c'est Pétion qui pral faire après ça protéger qui s'est broyé pour le matérialiser. Donc, et philosophie, et ça vient déboucher une philosophie. Là que idéal Pétion, prototype, li, sa référence, li, c'est que c'est colon, c'est blanc français, li vin, quand il s'agit de philosophie, de moun, de l'autre haïtien, dans le contexte de maintenant, c'est que l'ité ouais gen moun qui supérieur l'autre moun l'ité ouais que blanc français a supérieur noir là ça c'était philosophile so c'est un coup gon nostalgie oh maman m'te ka en blanc mais wal gâté sans moi ah mais ou bon c'est papa si m pa gagné entre guillemets sans noir nan moi n'tapion blanc. Donc Pétion était toujours à la recherche ça. Donc c'est ça que fait ou pral ouais, c'est premier moun li pral ouvri yon lycée en Haïti pour éduquer mais qui est-ce li pral prend? C'est blanc français qui pou vinn faire l'école. Ouais? Donc monsieur ça vinn bon yon idéologie que moi-même moi relé assimilationniste. Côté que livre les fait yon seul avec oppresseur avec colon qui gen yon philosophie platonicien philosophie platonicien c'est yon philosophie qui dit que gen moun ki supérieur gen moun ki inférieur donc ça qui gouverner qui supérieur a li gouverner par raison donc c'est lui qui doit abdominer qui a gouverné qui a géré ça qui inférieur qui dominait qui gouvernait par émotion qui vinn bon yo praxis qui praxis Pétion blanc ak milat doit abdominer noir parce que yo supérieur noir Alexandre Pétion nous sorti canaliser an gade Christophe Kounia Christophe Noël comme yon isolationniste. Qui est-ce qui te Christophe? An gade l nan koloni Saint-Domingue nan, son esclave maison, yon ou bien nou ka di yon esclave domestique, et à un point, li vin yon affranchi, kote ke li libre. Donc en termes de personnalité, oui, li identifie avec Bouroa, fait sa boua parce que à un grand degré boua c'est lui qui a puni etc dans plantation et lui identifie le tout avec envers yon but tant coup lui ouais c'est colon qui réussit qui gagne succès dans colonia donc lui t'a remé même genre t'a remé fait même bagaille là donc c'est ça qui fait que ou pral ouais ça pral et ça vient déboucher à yon philosophie que même j'ai avec Pétion
gen moun ki supérye lot moun ki son tout yon philosophie platonicien et gen ke men différence entre Christophe et Pétion c'est que Christophe lui-même lui dit ah mou ka fè même bagay kolon a fè moi li son monarchiste donc c'est ça que fait ou pral wè l'ap met perruque blanc et li établi nan nord là yon système féodal l'ap marché c'est toujours gan blanc et li dit moi ka fè même gens avec blanc m ka établi royaume mwen m ka on monarque mais pour me faire ça faut que moi fasse semblant 100000 lat là donc monsieur idéologiquement praxis li c'est un isolationniste en passé à tous ceux qui moi-même à docteur Ozo nous voit que praxis li c'est un négociationniste ça ne veut pas dire par là tous ceux c'était un esclave maison un esclave domestique à cause de c'était bourré avec talent dit-on esclave pas un esclave ordinaire mais un esclave extraordinaire et conseil des mouns oiseaux plumes oiseaux ça yo si tellement brillant li difficile pour mettre au nom cage ouais donc tout ça c'est ça que l'itayé donc éventuellement l'elte un esclave li te gen liberté de savane éventuellement li pral vin même yon maître esclave li pral gen plantation avec esclave li tout en terme de personnalité Toussaint te identifié avec yon bourreau parce que moun ki gen pouvoir ki ka punil et récompenser et li souffri de identification orientée envers yon but tout. Donc ouais Toussaint li fait tout ça li capable pour vin yon européen. Comprenez, c'est catholique li et tant kou Christophe avec Pétion nèg sa yo te complètement anti vodou ou pral wè tout Christophe lè li établi yon système gen moun ki pral rele le système éducation même avec docteur Rozo nou rele le système mal éducation tout li même li pral fè c'est anglais yo ki vin établi yon système mal éducation ki rele le système lancastrien donc si Christophe pat mouris donc c'est li qui t'est resté Haïti c'est un pays anglophone ouais donc Toussaint retourner sous Toussaint hein philosophie yeah. Philosophie Toussaint c'est que tout monde c'est monde mais tout monde pas même Toussaint l'était reconnaître mon cher oui moi c'est haïtien mais moi pas tant que tout haïtien yo moi son haïtien spécial moi tant que blanc ou bon donc Napoléon moi son général bon gouverner colonie pour la France et c'est ça que faire ou pral wè Toussaint c'est un individu qui était toujours à faire une série de deals des portes avec colon ouais côté que et grand pile haïtien jodi a ou pral wè dans Jean que docteur Rozo t'a dit a yo grand discours de saline mais de salinier mais en réalité reprendre praxis yo ouais c'est l'ouverture côté que moi c'est un haïtien mais moi pas tant que l'autre yo moi son haïtien français que moi yé comprendre bon gérer colonie pour nous pour la France bon gérer colonie bon gérer Haïti pour blanc américain donc yo toujours a fait deal parce que yo pensait que yo c'est des haïtiens mais yo pas haïtien tant que tout l'autre haïtien yo c'est des haïtiens extraordinaires introduit tout ça qu'on y a en garder finalement papa de Saline lui-même qui était anti-esclavagiste qui sont pragmatiste réaliste living selon travail docteur Roselot gagné contention est-ce qu'elle était faite dans plantation Saint-Domingue ou bien en Afrique mais docteur Roselot
fait nous connaître que d'après évidence sous primaire côté que papa de Saline te gen mac tribal nan figil, nous connaît que papa de Saline saute en Afrique yo menel en Haïti comme yon esclave bossal qui pote ko yo pote ko baptiser li pote ko chrétien. Donc, ils sont esclaves des champs qui apprennent pile coco maca qui a travaillé dans champ, éventuellement ils pral sauver Elvin yon neg mawo. Ils pral jouer avec moun tant que grand toya, grand guiton mawo qui pral faire l'école li, qui soutavle tout ça yo te fait dans plantation qui pral défaite li, qui pral décoloniser. Donc papa de Saline a un certain degré li gen très narcissiste, mais pas un narcissiste exagéré, un narcissiste dans sens parce que li important que pour à un certain degré tout moun gon ti très narcissiste la kayo côté que ou remet tête tout lo gade nan miroir ou remet so wè lo wè moun ki semblait avoir ou remet so wè ya wè. Donc papa de Saline te ça et c'est ça qui fait l'idée philosophile contrairement à toutes l'autre quatre grands héros les quatre grands c'est que philosophile c'est tout monde c'est monde donc tout monde t'est né pour vivre libre 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 et qui fera le vin balion idéologie pragmatiste réaliste parce que le connaît modus operandi colon très bien c'est que des pour camper li Haïti ou bien colonie Saint-Domingue nan gon série de bagay que le besoin elle pas vle payer pour yo et donc n'importe moun ki camper nan route li la fann yo contrairement avec tout ça papa de Saline pat nan illusion ça li te connaît très bien que modus operandi colon li identifié intérêt très clair li dit hey tel côté gagnel colonie gagnel et n'importe moun ki campé nan route mwen m'a fann fire même jan on dit que le te fait avec Taino Arawakio qui pas vin exister donc c'est ça qui fait que africain te obligé vin remplacer ouais remplacer Taino Arawakio donc praxis papa de Saline c'était liberté ou la mort. Et nous pas doué, elle était très adamant et gan pile évidence de ça peut-être les nous rentrer dans question Roselo à partager avec nous, nous pas doué imiter oppresseur, nous doué flanquer oppresseur d'ailleurs et en mettre grand monde sous nous pour nous protéger liberté nous à richesse nous. Donc pragmatiste réaliste que tu es. Dis bonjour colon, l'ap manjo, pas dis bonjour colon, l'ap manjo, an met grand moun sou nou. Mais ça pa vle di, an tout retire mit que papa de Saline pat vle wè blanc. Non sens. Sou gade deux moun ki te kore bras droit, bras gauche, papa de Saline, c'était deux milat. Gaba avec Bois en tonnerre et pas de Saline polonais yo. Qui pat qui t'est changé quand qui pat vinn esclavagiste li kite yo en Haïti ouais et papa de Saline li té nan échange avec blanc américain qui pat esclavagiste et histoire très claire là-dessus. Donc pour nous finir on dit pour l'union fait la force matérialiser parmi nous et que nous besoin et si nous pas faire éventuellement diviser y a faire une soustraction et même gens avec Taino Arawakio nous a disparaître tout parce que problème qui est essentiel nous à nos jours nous gain une série de bagay que l'autre monde vle yo et yo pas vle payer pour yo et si pour yo disparaître nous y a disparaître nous donc nous pas gain choix. Faut que nous fassions l'union ça. Et pour ça possible, moi, remettons-nous à toute humilité. Faut que nous mettions Pétion Dodo, mettons Christophe Dodo, mettons Toussaint Dodo et en réveiller papa de Saline qui la caille nous chaque graine haïtienne.
Donc dans sens ça map et pour nous faire ça la important pour que nous utiliser sacré les agents socialisation nous yo notamment l'école institution l'église médias gouvernement ouais pour nous resocialiser haïtien pour surtout chovio timounio pour nous faire yo connaître philosophie platonicienne qui dit que hey gen moun ki doit abdominer l'autre moun et pas tout moun qui t'est né pour yo vivre libre nous doit faire ti haïtien depuis le ti 4-4 connait que philosophie platonicienne son philosophie poison que lié nous doit faire connait que tant que papa Dessalines yo doit pragmatiste réaliste que nous pas doit dans rentrer derrière dos peuple nous contre aspiration yo n'a fait deal avec colon non bagay sa yo pas bon nous pas doit vle assimiler avec des oppresseurs au contraire on partager l'amour nous humanité nous Jean papa Dessalines te faire pour libérer même oppresseurs parce que dans sens par le frère les que pour yon oppresseur arriver oppressé faut lui même d'abord li ka déhumaniser tête li ka démoniser tête li donc dans sens ça là t'aim rete parce que me connais que nous grand pile question pour nous pour moi même avec docteur Ozo merci beaucoup et faut c'est malheureux que moun qui pas ni devant ni derrière mais bois banane qui correm nan l'aime après remercier moi toujours oublier c'est madame moi Manzé Elida Doblas femme voyant ça li pas ni devant ni derrière mais li toujours à côté pour le bon force moi stopper là moi dis nous merci beaucoup merci docteur Lubin et merci pour présentation hein? Et comme pas de gain on pose nous pas de parler nous tout dit docteur François merci tout et vu temps nous pas prend aucune pause n'a rentrer directement dans l'interaction dans question yo pas connait si nous même nous souhaiter et m'a donné Bozil non et non ou pas attendem dans le cognac très bien. Et nous dit que vu l'heure là, n'a pas rentré directement dans question yo, on pas connait est-ce que nous même nous parer, est-ce que nous voulez nous parer. Mettre caméra nous on pour nous car en échange un petit crasse vivant parce que nous tous les deux cachés. Oh, OK. Big Bo, nous t'es obligé cacher parce que nous senti qu'on y a nous blasé. nous pas frais même j'avoue. Non, ou toujours frais. Au contraire, ou l'humain qu'on y a après présentation ou l'humain. En tout cas, nous deux à nous l'humain. Première question et n'apprendre la de direct. Et première question participant adressé à docteur Roselot François. Li dit li que l'enralé le fait li souligné à plusieurs reprises une dimension mystique tout bien dans certains choix. Li dit journée jodi a qui ça Haïti besoin? Est-ce que faut le renouer ak et mysticisme? Est-ce que et qui dans l'histoire en pile ou bien est-ce que le besoin bon genre structure ak moun ki compétent, équilibre ou bien le besoin tout les deux? En fait côté mysticisme là il a subjectivité non. Mais pour ce symbole là efficace pour le puissant, c'est surtout la relation moun ka pote symbole. Ça veut dire que leader. Donc c'est l'histoire de ça. Nous besoin de leaders comme qui vivent genre justice la praxis là. Avec praxis ça comme qui actionne et ma connait avec l'idéologie. Ça veut dire que c'est leader qui a un exemple pas mal nation. OK? Mais là pour liberté de la mort, oui, c'est ça, liberté de la mort. Mais ça me dit quoi que des amis se mettre en pile en phase sous l'union et la phase tout. Parce que
David Nicol di, e Madjou, Jocite Madjou, il fait tout ça que c'est possible pour te éliminer division en mi-temps non accumulation. Li même fizye moun pou ça, pour division ça. Donc, je te vle que Milata avec nous, yo entendu yo kon seul. Ouais? Donc, mais devise là, c'était liberté ou l'amour, parce que liberté, c'est même qui était fondamental là. D'ailleurs, on dit ça, que le gouvernement, monsieur, c'est la liberté qui aussi le tout bagay. Ouais? Maintenant, je pense que je veux dire, c'est pas côté missis à regarder. C'est vrai, après, il dit, nous, toujours comme si nous, rien là dans nous-mêmes. Mais, c'est surtout modèle des alignements pour nous adopter, pour nous valoriser lui, pour nous mettre en pratique, pour nous vivre lui, et pour peuple là, pour masse peuple là, il y a quelque confiance dans nous-mêmes. Parce que je veux dire, Haïti a un problème de modèle. C'est qu'on a bon gens à essayer de nous avec un problème de modèle, on dit, oui, le modèle est là, c'est des salines, c'est des. Et ça qui passe, je veux dire, malheureusement, élite intellectuelle haïtienne, qui sont élite néocolonisée, élite ça, il parle de salines comme modèle. D'ailleurs, c'est l'élite qui est d'ouverture hygiène. Je suis toujours là, je suis toujours là, je suis toujours faire deal d'aide au peuple là, je suis toujours jouer en bas table. Ouais, il n'y a pas de saline, il n'y a pas de saline tout. Donc, malheureusement pour ça, donc, je pense que M. Jolia, heureusement que M. Jolia, comment c'est que l'idée a été sur les salines, il m'a dit qu'on commence à améliorer. Et Philippe Jolia a dit que nous, les salines méritées, imagine se mérité, refaites parce que Haïtien, la France détruit, monsieur. C'est la map li. Moi, pour qui va aller mal, que ça va faire payer parce que yo détruit les salines. Il faut pas être menti, pas être bailleur, c'est calme, monsieur. On va comprendre ça. Donc, c'est modèle là. Merci, docteur François. Prochaine question, hein? Et on a décidé entre nous qui est-ce qu'à répondre, parce que puis faut question, il n'y a pas spécifié. Okay. Et débat sous couleur de drapeau pour n'adopter, hein, pas jamais fini. Qui est important sur un débat? Non, j'ai fort cap fait jeudi à pour tête ensemble. Ok, on va faire ça. Maintenant, son bail et débat son bail sont en fait une table sont pour débattre parce que c'est parce que nous je dis là, courant qui domine, courant intellectuel qui domine en ce moment là, c'est courant tout sur l'ouverture pétition. Next, ça aussi deux agents qui puissent dominer la vie culturelle en Haïti. Parce que next, ça aussi deux agents coloniaux, Haïti sont pays néocolonisés, ok. La France vient avec le projet Molien, la France néocolonise Haïti. Donc, il y a là, et la seule qui dominait, soit comme si vous étiez avec Pétion tout ça. Donc, la vie intellectuelle, c'est quoi, après 7 février, n'a mis tout avec même pas Pétion, même pour Pétion. Vous voyez, il n'y a même pas aucune réflexion, aucun bon sens historique, aucun bon sens. Il vient avec Pétion, that's it. Parce que c'est le même qui dominait. Mais là, comment c'est que l'intellectuel. Donc, peuple n'a pas quoi dans yo. Parce que yo dit que c'est désaligné, mais l'aura des comportements, attitudes, ou c'est pas un Haïti vrai. Parce que n'a que pour faire deal, ou c'est comme si c'est agent colonial que yo y est. Donc, mes débats sont débats qui résoudent. Depuis comment c'est histoire, comment c'est rebat histoire, refaire une vraie histoire, nous, n'a pas quoi qui dans. Merci, docteur François. Et m'imagine une question, ça, c'est pour docteur Lubin. Historiquement, participant dit historiquement, Momilat là c'est un jouement. Cependant, à partir de qui réalité sociale, Momilat là vient un privilège. Well, vous l'avez fait mais pour pas gagner quoi. Ok. Mais toujours dans des quoi. Fait mais mettons sous mute même. Ok. Ndande quoi toujours. Et les sous mute. OK. Est-ce qu'on t'entend très bien jusque là? C'est que songez dans histoire là vers 1791
nous joignent côté que dans colonie a gagné 450 000 noirs et à peu près 30 000 blancs. Donc ratio de blanc à noir li à peu près 1 à 10. Pour chaque grain blanc gagné 10 noirs dans colonie. Et gon député français qui bonheur très tôt li réalisé député Barnave, un député qui était dans parlement français. Li dit ah quel que soit l'armée nous ta gagné nous pas ka contrôler tout noir sa yo. Nous pas ka contrôler yo. Seul j'en ap ka contrôler yo. Faut que nous jouer dans l'horloge yo. Faut que nous jouer dans l'horloge yo pour nous faut nous utiliser force morale. Dans sens que li dit que faut que nous fait noir là esclave qui pas mulat là, noir qui pas mulat là, senti que li inférieur mulat là et faut que nous fait mulat là senti que li plus proche blanc mais li inférieur blanc. Donc sous garde stratification ou après que dans colonie Saint-Domingue c'est blanc qui toujours à la tête. C'est lui qui est supérieur, après ça c'est mulat là, après ça c'est noir là. Donc mulat là, il reconnaît tout, même gens avec yon mulet. Par exemple, yon mulet pas ka reproduit. Yon mulet, et c'est ça qui fait nous connaître tout, que c'est pseudo-science, et c'est pseudo-intellectuel qui parle de différentes races humaines. Parce que si que humain te gen différents races humaines, c'est pas une construction sociale. Les on dit entre guillemets yon blanc avec yon noir fait petit yon pas tap ka fait petit, li pas tap ka reproduit. Tant que par exemple, les yon bourrik avec yon cheval fait yon petit, li fait yon mulet et mulet la pas ka jam fait petit. Donc pour me répondre question non manière plus succès, c'est parce que l'idée établie à travers influence blanc, colon, domination, l'idée fait noir connaît que milat la supérieure, elle te fait milat la connaît que li supérieur milat la. Donc milat la, li pa vle nan dernier, nan troisième classe la, nan dernier classe la, hey, l'accepte milat la. Y a un gars qui te dit, allez rapide ça. Non, mais on t'entend, Louis. On seul okay. Lynch même ça mérite théorie Lynch classification Lynch là mode c'est mérité appliquer dans cette domaine d'ailleurs une littérature un grand article vient en anglais côté montre ça côté montre que mode c'est mérité de faire classification et c'est même politique oui Lynch que monsieur appliqué je fais tu as des centaines de nuances épidémiques dans la colonie et monsieur fait tableau font classification font hiérarchie des couleurs et la hiérarchie des couleurs on va venir la distribuer d'après ça c'est mérifère. Ouais donc c'est même pas Will and Jean Chapel et c'est une base à cause des gens qui connaît qui voit que monsieur mettait article 14 à celle de la constitution au moins qui sont article clé et après que intelligence américaine va analyser chercher américain va analyser ça va civil fiche analyser ouais donc la constitution Aïcha va encore connait Aïcha parle de noir histoire mais non son bagage avec son bagage monsieur devait mettre résoudre problème ça parce que c'est tellement problème ça crée problème psychologique dans le haïtien. Donc, vous avez dit que 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 yon sanguiné m'applique question en participant. Est-ce que c'est pas même gens à colon yo pour nous traiter? Yes, en fait c'est parce que ça met en Haïti et courant qui dominant que ce soit intellectuel c'est courant pétion qui dominant. Ouais. Mais attention.
Moi, bon, imagine là, par exemple, sur le forum, bon, on m'a publié l'image là, et moi, côté, il y a deux jours que développent les statuts, monsieur, par contre, c'est sur chaîne masse là, moi, bon, tracteur, et peuple, par exemple, mon tracteur, peuple, développent les statuts, monsieur, il y a une image là. Ça veut dire, ouais, j'ai bon, un peu haïtien commencé, là, j'ai haïtien commencé à ouvrir, et je pense que pour haïtien, il démarre, il faut un procès, et dans procès pour rendre justice à des salines. Faut nous guérir ça, faut nous guérir dessus ça. Et next à yo, faut que nous, faut que payer. Bon prix pour payer pour ça. Ça vous fait parce que vous faites payer en pile temps, en pile malheur. Oui, faut que nous payer, faut que payer ça. Ouais, parce que moi-même, bah voilà, parce que nous disons encore bah ça. Il a bien en pile, boom, il a tout. C'est surtout bien attention, je qui est mauvais. Mais maintenant, attention, on est dans le temps pour Gaba. Et même dans le sud, tu as gagné un bon donné, dans le sud, on qui est bon. Mais son groupe de nègres, les rigodés qui étaient mauvais. Mais généralement, on peut garder une mulatte comme si c'était pas mon nom. Mais il faut reconnaître que sa pétion fait faire du tort. Donc il faut que nous sortions dans l'impétion, dans l'idéologie de pétion. C'est la bonne chose maintenant pour nous rendre monsieur, ça le méritait. Oui, c'est vrai, monsieur, il va payer un peu de tort vraiment. Merci, docteur François. Et bon question, m'estimez qui est tellement intéressant, m'appelle l'île direct. Et est-ce que Duvalier pas utiliser un troisième symbole qui c'est pentade, totem que Papa Dessalines t'a utilisé comme emblème? Si oui, est-ce que nous devons restaurer l'emblème pentade là, même Jean avec drapeau noir et rouge là? À vos marques. En fait, moi pas gagné. Parce que moi, un drapeau de Dessalines, moi, c'est pas un pentade un drapeau de Dessalines. Ça moi là image moi là on va répéter la langue donc bah on est peut-être que si à répéter la langue est-ce que design de compétent beaucoup lisent ça mais on va répéter la langue parce que ça sont est-ce que c'est pas ils ont inversion du valier bah parce que bah on répéter la langue ça moi comme d'abord très bien. Et moi-même, moi, pas opiner sur ça tout parce que moi, pas qu'on fait recherche sur ça. Mais son belle question et il est bon que pour nous apprendre, pour nous passer dans le microscope. Ouais. Dans le microscope tout. Regardez ça. Mais pour moi, pas voulu offrir une position parce que beaucoup j'aime faire recherche ça et docteur Ozonet tout que qu'on fait recherche ça. Mais n'a passé l'en bas microscope. Peut-être prochaine fois, n'a partagé les résultats à vous. Très bien. Gagné une autre question. Participant dit tout en langue française, à toute salle représentée, rété comme langue officielle en Haïti, est-ce qu'il y a jamais un bon Jean Union? C'est un monde qui salue nous. C'est un monde qui salue nous. C'est un gros élément de cohésion sociale. Ça veut dire que le fait que l'on soit des grands groupes de monde qui valorisent la langue, l'autre groupe qui va parler, donc ça crée vraiment une plus grande division. Et je crois que juste après, le grand américain, comme c'est la voix de l'Américain, qui dit qu'en Haïti, langue française, c'est plus gros outil de division qui est en Barry. Oui, c'est l'observateur étranger, monsieur. Moi, l'observateur étranger, Barry. Je dis que langue française, c'est plus gros outil, plus gros division qui est en Haïtien. Et de vous faire de vous qui classe, oui. Parce que vous comptez une langue depuis près de presque nous parlons 400 ans là, 400 ans. Langue ça a existé sous île là. C'est ou bien à peu près 5% de monde qui parle bien, qui comprennent bien. 95% de monde ne pa comprennent pas parler bien. Mes amis, ça sont gros divisions liées. Vous comprenez? Donc, et son langue, puisque nous enseignons français avec une langue maternelle, nous. Alors que son langue étrangère liée, il y a une méthode pour enseigner la langue étrangère. Il y a une didactique des langues étrangères. D'accord? Parce que ou à l'école, ou à apprendre, et ça y est, anglais et langue seconde. Ou français, langue seconde. Il y a une méthode pour faire ça. Mais en Haïti, dans l'école, il y a enseigné français avec la langue maternelle. Donc déjà, ça a son gros accroc à conscience de tout le monde, à cerveau de tout le monde, à cerveau de tout le monde. Donc il y a une division de gars. Depuis même j'outil haïtien à l'école, il est dans divisé avec masse là parce que vous comprendre que langue parle là est inférieure par rapport à langue française. Oui, c'est vrai, son problème ça. Donc ça pour nous faire c'est pour nous enseigner français comme une langue seconde, comme une langue étrangère, pas simple
parce que c'est créole là qui parle maman dans tout pays net. Ouais, et si m'te ka ajouté et Jacques docteur François noté c'est que français a dissous il a commencé depuis années 1620-1630. Donc c'est plus que 400 ans que li présent, mais et selon travail Michel Degraff, nous connaît que c'est à peu près 95% haïtiens à nos jours qui parlent français, qui parlent langue, qui connaît langue, Donc et si que nous ka employé un terme que sociologue Sotemayers utilisait un terme qui est les élite closure, c'est que affaire français a li arrangé affaire élite yo en Haïti. C'est élite closure, c'est selon Sotemayers, sociologue Sotemayers, c'est une stratégie linguistique qui fait que ou joine yon ti minorité juif au bon qui c'est li arrangé situation yo, li configuré pays à non façon côté que c'est yon ti minorité qui gen accès avec langue vraiment vrai et c'est même langue ça qui c'est langue de pouvoir qui bon accès à privilège etc. Donc li garantit que 95% l'autre haïtien yo yo nan périphérie yo en dehors des choses yo désaffranchisé donc li inhéramment problématique dans sens ça donc oui donc moi vle d'accord avec moun qui posait question c'est que langue française un li pa ta doué langue instruction en Haïti parce que comme moi-même moi joine dans travail que moi fais dans thèse doctorat moi li confirmer ça que UNESCO a dit depuis dans les années 1950 que moun apprend non langue que yo gen compétence là-dedans que yo connaît et souvent ça c'est langue maternelle et dans le cas de Haïti ou joine que 80% professeurs qui soi-disant a enseigné dans la langue française, yo pas même professeur 80% professeur ça yo pas même gen compétence dans la langue française. Et là moi cité travail Benjamin Heblethwaite qui fait nous connaître que 80% de professeurs en Haïti qui soi-disant a enseigné en français, yo pas même gen compétence dans la langue. Pour yon enseigner. Donc, c'est yon stratégie, élite closure, qui mettait en pile haïtien en dehors. Et li affecte nous dans tout sens, dans l'économie nous, et la trier. Incroyable. Ouais. Merci, docteur Lubin. Prochaine question. Hein? Participant dit, ça c'est pour toujours. Après exposé, là, li évident que doit gagner une thérapie. Est-ce que c'est dans le système d'éducation la passé? Si oui, est-ce que n'a pas intégré psychologue dans le travail ça? Ça sont belles questions et moi-même avec descend volume aux autres. Fermez-le. Ou bien le baillon écho. Moi-même avec Roselor nous gagnons une thérapie vraiment vraie pour haïtiens que n'a travaille sous lui et dernière fois que moi était dans Haïti éducation moi était ba nous en lugal un petit préface côté que nous garder dans sens que façon que yo t'es falsifié conscience haïtien falsifié et te gon plan macabre qui te mette en place pour ça que commencé dans les années 1825 côté que ou pral joindre Charles X qui pral voyer Gaspard Molien Théodore pour l'étudier haïtien avec en Haïti pour voir qui meilleure façon pour la France
établi yon régime néocolonial en Haïti. Comment que pour recoloniser Haïti. Donc, une recommandation Gaspard Molien Théodore te fait à Chaldis, c'est que faut que la France colonise cerveau surtout élite haïtienne. Donc c'est par conséquent c'est ça que fait yo pral vinn voyer prêtres qui sorti non parti en France qui est les Bretagne des prêtres bretons côté que yo même yo c'est des pro-esclavagistes des monarchistes c'est yo qui pral vinn former frère instruction chrétienne en Haïti qui pral former cerveau élite là pour falsifier conscience là. Donc oui, nous besoin yon thérapie et pour sacriver nous on a parlé yon groupe moun jodi a moun après les Pierre Lubin, Roselo François, nous pas même français etc. Donc une façon que ou jouer avec identité moun, c'est rébellion non etc. Donc le c'est l'regarder l'autre moun, gen l'autre moun yo té colonisé tout tant qu'on dit par exemple juif on dit chinois mais elle paraît devant l'idou non Deng Xiaoping ou ouais c'est que son chinois. Donc dans le cas de nous même nous besoin thérapie et dernière fois moi était avec Haïti éducation moi était dit même gens après guerre mondiale 2 où il y a deux intellectuels français juifs notamment qui relait Jacques Durinam avec Victor Frankl. Yo te wè pour tout ça dégradation toute péripétie peuple yo a te passé peuple juif là yo dit que peuple ça pas fouti scène li pas normal donc par conséquent yo même yo te créé yon thérapie qui rele logo thérapie pour thérapiser juif qui te souffri en bas mais nazi yo donc yo même m'croit que haïtien nous besoin même bagaille là ouais nous besoin thérapie malheureusement thérapie ça pas jamais fait et contrairement nous joignent invariablement tout agent de socialisation yo continuer à perpétuer falsification ça yo et yo continuer à coloniser cerveau ouais donc oui nous besoin thérapie et comme moi te promet nous ça gagne un bon bout de temps que moi-même avec docteur Ozo n'a travaille sous en thérapie et très prochainement n'a offrir comme un cadeau et nous souhaiter que communauté a va prendre yo va embrasser et yo va utiliser. Oui, nous besoin ça. Merci et il fait 8h06, j'ai quelques peut-être 4 5 6 questions devant moi. Est-ce que n'a prend yo? Oui, n'a pas. Sans doute. Eh bien, OK. Ma priorisé et des commentaires avec des questions. D'abord, qui sorti sur Facebook, parce que nous avons environ, nous sommes à 222 moun là. Donc, n'a pas prendre. Et participant, il dit, belle présentation. Cependant, question m'a gagné, comment nous avons utilisé le concept Sankofa? Comment nous avons servi à qui soit passé nous pour nous avancer devant? Préparer un futur meilleur. Ma bonne question après. Ma prend question ça parce que moi très familier avec une notion symbole Sankofa. Pour moun kap koute nou la ki pa konnen sa Sankofa ye, se yon oiseau mythique nan ke pèp Akan yo. Nan pays que jodi a après les Ghana yo adopté mais c'est yon oiseau li toujours retourner en arrière côté que là il prend zè al kite avant que là les devant et sans doute clair et comme moi quoi présentation noir illustré c'est que sous pas qu'on passé ou c'est un coup ou désorienté n'importe moun qu'apprend ou li fè salvele avèw, el ka même fò fè des bagay ki diamétralement opposé bienveillance ou et qui cause destruction. Et nous même haïtiens, c'est youn nan bagay que nous subi. Côté que depuis commencé nan plantation,
y a falsifié passé nous, y a engendré ça que moi les amnésie historique la caille nous, comprenez? Donc qui fait nous désorienter. Comprenez? Nous pas ancré, nous perd du tête nous, nous voulons toute l'autre bagaille sauf nous-mêmes. Ouais? Donc un Sankofa qui dit que faut que nous retourner à chercher passer nous avant que nous avancer devant. Si nous pas fait ça, nous pas qu'à faire devant vraiment vrai. Nous complètement désorientés. Donc c'est ça qui fait vraie histoire nous, mais pas ça que Colomb offrit nous ou bien l'autre intellectuel haïtien qui influencé par Colomb en ban nous. Si nous retenons dans histoire ça yo, nous foutu. C'est juste ou après que yon jou, yon pralouè nous nan musé, même gens que jodi a ou après, on sait des parents pral mène petit yon nan musé, pral di yo, te, il fut un temps te genye un groupe moun ki te rele le Taino Arawak ki te occupé espace géographique sa ke rele Haïtia, mais yon pral avè nous jodi a. Donc, passe nous, li crucial, et faut que nous al rencontre avec passe nous, pour nous avancer devant. Et ça, c'est importance, vraie histoire et correction d'histoire. Merci, et Dr. Lubin. Prochaine question, participant dit, dans le contexte pour changer constitution pays, qui gens d'intellectuels, tant que ou même Dr. Lubin, ou même Dr. François, nous sommes capables de sensibiliser et mobiliser l'autre intellectuel. On en fait personnalité encore, il dit tant que Trouillot, depuis Koulia, pour nous être capables d'aider philosophie de Saline dans la nouvelle constitution pays et pour esprit de Saline capable de traverser tout Haïtien. Ok, je vais répondre à ça. Comme dit maintenant, pour le moment, c'est bon, qui. Est-ce que vous entendez bien? Vas-y. Et là, vous allez me dire, nous t'entendons très bien, vous m'avez parlé. Pour le moment, c'est pas un bagage qui n'est pas faisable pour nous, là, pour le moment. Parce que pour nous arriver à faire changement, ça, il faut une masse critique. Il faut un groupe monde, ouais, qui prépare tout ça. Un groupe monde qui a l'esprit, soit l'esprit guéri, genre de ce que tu dis là. Et ça, il faut préparer ça. OK? Parce que quand il y a pour le moment, on tout bien. Moi-même, je suis pragmatique. Je suis un terrain, je suis un terrain miné. Terrain, qu'est-ce que ça a les gardiens de l'ordre néocolonial français en Haïti. Quand il y a là, si on a laissé les gens qui ont mangé, Mais son groupe haïtien qui vous fait ça. Et pour nous faire ça, on a sensibilisé le peuple là à un leadership collectif pour nous réussir. Mais quand il y a un moment où il y a, parfois même les gens qui disent qu'ils ont collaboré avec eux, nous savons ce qu'ils ont fait. Parce que moi-même, je lis le rapport Régis là, le rapport Régis de Bréa, en 2004. Le rapport, c'est un rapport que nous avons fait, nous avons évalué le rapport à Bromolien. Et là, il fait une recommandation par la France. Et la France a un pile d'agents sous terre, agents gardiens. Next, de vous venir pour changer la réalité, il y a quand même tué. Parce que c'est qu'on a qui dans l'histoire qui a essayé déjà. Mais c'était pour côté, c'était pour contre. Haïtien. Réforme d'Atig. Réforme d'Atig. D'Atig. Ouais, dans l'Atig 1941. D'Atig, tu as essayé déjà, essayé mon système. Vous voyez? Kounya, c'est sûr que je ne vais pas faire mes meilleurs d'attitude. Kounya a combiné parce que Kounya a mes outils, parce que mes outils académiques, mes recherches, mes documents, mes informations. Mais ça, il faut que je me prépare avant. Kounya a une situation de la fin de la ou de la fin aspirine, ou de calmant pour la douleur. Mais Kounya a une soirée, il y a une soirée. Attention. Et même avant le tout, il y a deux tout, Wolf tout, pour moi-même, c'est ce que je connais comme bon tout. Même si kounya moi monsieur il y a fait effort par contre il y a monsieur comme ça habiter avec frère quand frère là on travaille frère là travaille au flou moi madame ça a changé mais
Dans le temps, j'étais un petit peu trop francocentrique. Mais bon trou yo a, on a dou, c'est Wolf, Michel Wolf tout yo. Son l'autre perspective, son l'autre bagay. Ok? Moi, je dans dernier sorti, je fais commence à améliorer ma vie. Mais, comme tu en Haïti, en Haïti, la France a trop influence culturelle en Haïti. Parce que je veux être là pour comprendre. Il y a des Américains, domination économique là, domination politique là, yo même yo prend main domination culturelle là avec formation politique là. La France forme ni les politiques ni les intellectuels là. Et puis qui est américain et de vrai dire ça là pour dire que américain avec américain yo pas ennemi yo une compète l'autre. Même Jean Moreau te dit ouais, yo une compète l'autre, ça me dit là pour. Dit que yo pas ennemi, une compète l'autre, ça me dit. Américain gagne économie, politique là, yo un peu culture là en mayo, éducation en mayo avec formation classe politique là. Donc, nous ne sommes pas réalistes, nous ne sommes pas couillés à la terre, nous ne sommes pas couillés à la terre. Merci, Dr. François. Un autre commentaire qui sorti sur Facebook et m'a réagi sur lui. On a dit, « Li bon pour tout le monde noir, tu as fait l'école le week-end, les après-midi, pour tout le monde jeune, même gens juifs, arabes, asiatiques, yo fel, professionnels, yo, monde visible, yo. Te ka mette tête ensemble pour enseigner kilti langue ak istwa nou à nouvelle génération. Donc en d'autres termes, bon bay konn parler soit éducation, c'est à peut-être sortir en part time non, faire job la full time, faire l'école week-end, faire l'école après-midi pour ti moun jeune même gens que moun nan participant dit, même gens juif arabe asiatique yo fè li professionnel yo. Moun visibio yo te kapab met tèt ansanm pou enseye kiltu, lang ak istwa nou a nouvel jenerasyon. Reaksyon. Merci, sa son bel sujesyon, bel sujesyon nan nou pran. E pwam dou bien ke, e liv ke nou ekri a la, e adye le kolen jis la, liv la son mouvman liye. Mwen pase kwenye la, se COVID la kwenye la ki moun ti jan limite nou, men si to ke situasyon normalize kwenye, mwen pase ke liv la, vant liv la, kampay liv la, ça va mon affaire son mouvement qui vient avec tout ça dans la communauté parce que parents pas décider pour faire ça dans la communauté comme solution et merci mon pour suggestion ça parce que c'est ça n'a pas vendre parents idée ça pour communauté à faire ça donc il y en a plein de COVID là parce que les parents pour faire bien dit mieux que vous faire présentiel ouais donc mais livre votre livre là par marche tout ça son mouvement là c'est pas parce que moi j'ai un rapport moi avec nous mais son livre effectivement qui vaut la peine pour mon lire et presque sous deuxième lecture li et pour me regarder me passer là bas microscope tout docteur lui donc ça vaut la peine mais définitivement ça vaut la peine et me penser que et c'était commentaire nous t'ai fait le nous t'ai présenté livre ça soit éducation entendez moi aujourd'hui hein nous t'ai déclaré que son condensé nous qu'a fait toute une collection à livre ça. Et m'pa kwèm te exagéré. Et oui, vous voulez parler? Oui, moi konnen moun ki mande kesyon sa ne kita l'amou, merci pou bel kesyon sa et nou tombe d'accord. Et c'est malheureux que même nou jodi a nou pran servo ti moun yo nou lage yo nan men on série de moun ki pa gen bonne intention. Pas tout moun, mais nou konnen ke surtout an di nan contexte États-Unis ou bien Canada, genyen yon série de moun ki remplace Rob Blanc Ku Klux Klan nan pou vin yon professeur ou bien yon police, etc. Donc gen moun sa yo nan classe, nan l'école. C'est yo qui a fait éducation ti moun nou. Donc yes, tant kou jan que l'autre moun fait yo établi yo non façon que pou yo défait en pile des autres qui a fait nan cerveau petit yo. Donc oui, nous ta supposé toute organisation presque nous gagne l'église, centre communautaire etc. yo ta supposé gagne côté espace qui a vinn rééduquer petit nous et qui a baillé en éducation qui un fait yo remet tête yo deux
remet l'autre haïtien pareil yo et toi remet Haïti. Donc sou gade à la base de sa l'autre moun sa yo qui créé l'autre l'école à pas de l'école générale pour petit yo souvent dans centre là c'est ça que y a fait. Y a fait petit, y a transmettre culture, y a assuré que petit yo pas aliéné, y a assuré que petit yo remè moun ki même moun avè yo. Ouais. Donc c'est ça qui a fait et nous-mêmes comme yon groupe moun ki gen pile moun ki pa remè nous, surtout nous-mêmes nous ta doué a faire ça. Côté que nous gagné propre l'école nous gagné propre centre communautaire nous qui a façonné cerveau chovio. Oui. Donc moi d'accord avoir Nikita l'amour. Et moi préparer nous-mêmes préparer pour nous collaborer avoir dans une aventure comme ça. Très bien. Merci docteur Lubin. Prochaine question, participant dit où Dessalines c'est papa nation hein? Et comme papa pour qui sa majorité petite lio gain difficulté pour yo adopter comme modèle et kembe tête ensemble li te met sous pied. Bon, son bagage qui simple actuellement ça nous dit gon et gagne nous t'en très clair, ou pas même besoin de formation en pays. Actuellement ça que penser en pays, ça que français récompenser tout, parce que tout est alors et surtout quoi groupe là, c'est l'ouverture récompensé. C'est pétition récompensé. Donc haïtien arrangé pour le bail comportement pétition, pour le bail discours pétition, pour le bail comportement et tout ça l'ouverture au moment c'est ça blanc récompensé. Donc c'est ça et ça qui gagne prix d'elle. Donc c'est comportement ça qui est compliqué. Donc ça fait élu au bail. Même parce que faut que nous vienne information et ça sont gros bataille. Comment c'est gain monde capoter discours capoter message là. Faut que nous faire un peu littérature tomber sous terre en train Haïti. Faut que nous faire jeunes yo qui dans université yo, faut que yo lire leur travail. Ça fait nous écrit nous n'a produit n'a publié donc pour jeunes yo libéral dans la conférence. Malheureusement qu'il y a la insécurité fait que nous pas rentrer en Haïti pour aller faire conférence pour aller parler jeunes yo pour nous tailler l'autre bagaille. Ouais parce que nous qu'a faire ça n'a fait ça. Et en passant comme tout bien MMP et gain nous un projet de pour nous proposer une politique éducative de rupture pour Haïti et même nous une méthode nous une façon pour nous proposer pour créer une masse critique. Ouais très bientôt docteur bien avec n'a vina projet n'a vina bagaille et nous même font travail sur ça sur et IT éducation one. Donc nous on fait sur ça one. Donc nous gain plan n'a travail nous plan de façon nous parce que nous capacité nous capable n'a vini mais on que pour y aller terre un petit peu miné parce que bien en pile agent colonial souterrain et next ça yo même violent même qu'a tué pour ça ça veut dire les fameux gardiens de l'ordre néocolonial français en Haïti nous connaissons. En tout cas, et on prend liberté hein, pour me dire que plateforme Haïti Éducation, elle est ouverte, disponible à n'importe quel moment. Et prochaine question, participant dit est-ce que c'est pas dans même voyer Milat monté hein, seulement que dans l'histoire d'Haïti et que même drapeau y a rapporté que c'était une Milatresse Catherine Flon qui était coude li. Qui crédibilité histoire Catherine Flon? Et femme dit bien parce que c'est pas une question histoire non, c'est pas une question de histoire. Et en fait nous connaissons que effectivement que ça vrai nous dit que j'en dis là David Nicole analyser les texte, j'ai écrit montrer que il y a les mulattes, clan mulat là qui écrit une version histoire pour voir mulat monter pour répéter monter. Mais tout faut connaître tout en dans histoire, tout fond pas mulat vrai place. Il y a une place dans l'histoire. C'est comme de bien parce que les gens nous disent là, il y a Milat vraiment qui. Par exemple, il y a un personnage historique qui était vraiment anti-français, vraiment. M. Jean Zombie. Son un personnage que nous ne pouvons pas contenter tellement en Haïti. On est qui. Il y a encore Fatima. Fatima, son Fatima Cécile Fatima, son Milat qui était tout. Vous Gaba, Bois-Antonnerre, et me dit ça déjà.
mais là tu comme c'est dans le monde, il y a une dans l'histoire, il y a pas faut pas parler comme ça, il y a une personne dans l'histoire. On garde idéologie. On garde plutôt idéologie avec idéologie plutôt. Parce que c'est pas ça qui est important, on comme si on a fait c'est sur l'idéologie. Et jusqu'à maintenant et nous que à carrière, nous on a carrière, c'est à carrière son de ça été qu'on a là souvent. Et là et on dit là la méote côté comme si à carrière. Donc c'est la grande guitare était là et Catherine Plante était là tout le monde, donc bon c'est des mignons comme si histoire connaître ça. Ouais, t'aimes fort, t'aimes ajouter un petit bagage docteur Ozo. Donc c'est plus en concentré sur idéologie, en mettre en phase sur ça. Tant coup, hey, on dit si que moi t'a obligé collaborer avec un Jean Conze, ouais, qui était en noir versus moi gain opportunité pour même collaborer avec un blanc, tant coup John Brown qui idéologiquement correct. Mais blanc ça li si tellement idéologiquement correct, li fait un bagage que m'pa konnen trop haïtien préparé pour faire. Li prend propre âme kounyèr pour l'al combattre l'autre blanc qui était souscrit à esclavagisme. Qui c'est esclavagisme? Ouais. Donc en transcender sous ta vle phénotype ça que ou apwè, mais en plus garder idéologie, en garder praxis là, et même dans rhétorique là faut faire un pile attention, parce que surtout politicien nou yo, politicien haïtien, souvent rhétorique li correct, ou bien doit même wè que li gon discours désaligné, mais action li, praxis li souvent gen doit même diamétralement opposé rhétorique désaligné que le gagnant. Donc on pas concentré sur phénotype façon moun semblé, ça c'est rance. Premièrement nous connaît et comme moi était on l'aime te passe c'est nan Haïti éducation, m'te fait nous connaît que a fait notion blanc couleur race là son invention que lié. Nous connaît avant révolution Bacon qui était faite États-Unis aux États-Unis dans le 17e siècle, concept blanc pour qu'on même exister. Ça son concept yo inventé à cause de blanc avec noir que un groupe dominant blanc t'a exploité dans colonie Virginie États-Unis, yo metté ensemble et après ça, après rébellion ça qui t'a fait un an, qui durait un an, côté que yo réellement mette bon bâton dans ou en classe dominant qui était blanc, mais c'était blanc et qui collaborait avec noir qui pouvait faire rébellion ça y aurait les rébellions bâton ça. C'est juste après rébellion ça ou pral vinn gen notion ça que après les blancs qui sont bagay qui créé, qui sont invention. Donc plus concentré sur idéologie très important. Si nèg la ou bien femme nan li gon en idéologie assimilationniste côté que même Japetion côté que li vle fait un seul avec un oppresseur, comprenn li pa bon. Si li gon en idéologie négociationniste tant que tout c'est l'ouverture qui toujours voulait faire deal avec colon derrière, on prend un haïtien li pas bon. S'il gagne yon perspective, yon idéologie isolationniste tant que Christophe qui voulait hey m'pa vle blanc là-dedans mais m'a fait même ça blanc vle fait m'a établi un système féodal dans nord là même j'ai avec blanc et m'a établi gros forme gros citadelle moi mettre gros canon sous lui depuis au vini m'a plagué boulette dans faillot ça pas bon tout non plus. Nous besoin idéologie désalignée qui pragmatiste, qui réaliste, qui anti-colonialiste, ouais, qui anti-racisme, qui anti-esclavagiste. C'est ça que nous besoin. Elite mette mulat, blanc, noir. We don't give a damn. Yeah. As long
as you are anti-racism, anti-colonialism, anti-oppression. C'est ça qui est fondamental, c'est ça qui est important. Et pour moi, je ne peux pas me dire que tout, je ne peux pas dire que tout, je ne peux pas dire que tout, je ne peux pas dire que tout poil dans la balance pour éliminer la question pour le temps. Et Diane Joran dit que, qui ça a fait? Il a fait deux gros bagages. Oui, mais il a attaqué la question race là. Jean-Alain dit là qui sont construction coloniale, qui a attaqué lui, la constitution là, article 14-16 là. Deuxièmement, question terre. C'est de base à vous me quitter et c'est tuer monsieur. Donc je viens de vous dire, et Badou va à votre pied là. Je veux dire, la France, et pas mieux que qui puisse plus danger pour Haïti, je veux dire. C'est une noyade parce que c'est plus nexa, et même je veux dire qui étudie, puis je veux dire, et même doctorat. J'ai un doctorat qui est. Donc je veux dire, en pile d'annexa, c'est au même que la France est préparée, casse politique, c'est au même qui vient servir pays, cap servir Haïti là, cap servir, casse miracle, cap servir, corps groupe là, en Haïti. C'est eux-mêmes qui étudient plus. Je veux dire, mille ans pas tellement à l'école. C'est eux-mêmes qui viennent à la France, c'est eux-mêmes qui viennent booster social à la France, en Europe, au Québec. Et puis, pour tourner, viennent Québec système en place. Et c'est eux-mêmes danger, c'est eux-mêmes qui va combattre le changement dans le pays. Donc, c'est eux-mêmes qui font attention. Non, c'est idéologie à faire attention. Merci. Et nous avons plusieurs commentaires. Je vais quitter pour me finir. Je vais simplement poser une question. Et histoire formation sociale haïtienne pas campé à Kéo indépendance. Qui impact choc esclavage expérience traumatique esclavage là gagné sous génération qui vient après yo. Ma konn si question claire. Histoire formation sociale haïtienne pas campé à Kéo indépendance yo. Qui impact choc esclavage, expérience traumatique esclavage là, gagné sous génération qui vient après. Well, gagné chercheur, gagné intellectuel tant que par exemple docteur Joy Degree Leary, docteur Joy Leary, qui fait qualité de travail ça à côté qui gardait que impact trauma, c'est que c'est quel colonisation li intergénérationnel que à nos jours que l'affecté et m'ta réellement pour moun qui lit anglais malheureusement en pile dans travail ça yo c'est en anglais que yo ye mais docteur Joy Leary li gon livre qui est le post traumatic slavery syndrome post esclave post traumatique donc youn par exemple li identifié on série de traumas et manifestations, on série de traumas, la caille par exemple noire. Et parmi là-dedans, yo, gagne ça que l'irélé que phénomène crabe dans panier ya. Côté jodi a, ou est souvent gon se ou gen pou wè. Haïtien gon tendance lè que yo wè lot haïtien ap fè yon série de bagay, yon série de jalousie ki développé ou gen wè wè yo ap traîner lot descend. C'est un coup, pran yon dal crab, mette yon non bokit ou bien mette yon non panier, ou pa besoin même mette couverture sou bokit la ni panier ya. Crab yo pap fè yon pa, parce que chaque temps yon ap essayé gen habilité pour le monter pour le sortir l'autre après aller traîner le descend donc gen yon l'autre manifestation que docteur Liri identifié côté que ou gen droit ouais on série de bagages ou gen droit noir là en général li sous les nerfs elle pas même connait pour qui ça nerver li crispé comme ça comprendre bagage qui simple oui comprendre qui portait le sous les nerfs, les crispé, etc. Tout ça, c'est trauma. Et encore, qui prêtait tête li à ça que nous t'as parlé pas trop longtemps, côté que Haïtien li besoin d'un thérapie collectif. Parce que on parle, yo prend nom moun, yo prend religion, yo prend culture, tout ça qui considéré essentiel moun, yo dérobé, yo prend, yo dénudé. Donc yo prend essence ou donc nous besoin yon thérapie collectif parce que nous traumatisé mais
comme docteur Liri notait tout, même dans nous-mêmes qui paraît que nous pas traumatisés, ça pas veut dire nous pas traumatisés, mais tout chaque individu a une façon que il réagit à trauma. Il y a un individu qui fait une expérience qui traumatise ou qui doit ouais, il freak out, il pas là ou elle a exhibé une série de comportements psychotiques. Mais comme ça, tout le monde sait des individus, ça nous déclare les foudouales traumatisés, mais les calmes, mais le fait que les papes crasés, brisés, nous pensons que tout le bagaille, ok, normal. Non, c'est juste façon que les réagissent lui-même à trauma. Mais nous traumatisés. Dans le cas où il y a un cas où il y a grave, c'est parce que après colonisation, je dis à la recherche, il y a un conseil de mécanismes. Colonial, structure coloniale est en place. Pas qu'il y a un bouger. Au contraire, il y a renforcé. Je veux dire, gon théorie, gon concept que les Américains ont développé, qui consacre les colonialités. Colonialité, quand ils montrent par exemple, même les appareils coloniales sont déplacés, mais à travers livres, universités, formation intellectuelle, puissance coloniale continue. Abdominer l'esprit à toujours. À reproduire. Et ça l'a fait là, la colonialité. Ouais, littérature haïtienne, son littérature française, surtout française. Donc, haïtien, on va me dire. Donc, moi-même, pense quand même que je vois Wanda faire là, Wanda a une chance avec ça que tu es là, le génocide là, pour mettre la France dehors en Wanda. Wanda fait une rupture. Pendant 25 ans, Wanda a suspendu apprendre français, suspendu par français, ou français à côté. Donc, une coupure qui fait, une coupure qui fait. Et de ça, il te dit ça à la nation. Il dit que tout autant que Mounsa ou la mitano a toujours des malheurs arrivés nous. Parce que c'est eux-mêmes qui attisent malheur nous. Et je dis à son regard, il a fait la ministère pire dans le pays. Pire dans le pays. Ministère éducation, ministère culture, la France contrôle des pieds en tête. Mais on est consulté dans tout partout, et puis il y a un agent interne, agent externe dans le ministère de l'Éducation nationale. Donc, vous avez dit, Haïti, ça nous là encore, ben, ça son bagage, nous son bagage, nous son bagage, qui demande des gros batailles politiques pour déchouquer, déraciner, ben, ça, en pays. Vous comprenez? Pour qu'on ait tout qui fait, coupe qui fait. Et là, c'est là, faut retourner dans l'idéal de sa lumière. Parce que moi, je connais que, quand on a été à ça, ça en fait, qui fait bien. Parce que après, Haïtien, là, il s'est pensé, comme si on son français, on français négatif. Et on va trouver Haïtien progressiste, jeune progressiste. Depuis la France, hey, il est mauvais. La tué. Bon, mon dame, en haïtien, il y a une élite là, intellectuelle là. Je me rencontre, elle m'a parlé avec elle, elle m'a dialogué. La bonne dame, comment elle est patriote, comment elle est en Haïti. Dis-moi ça que, il y a le Mexique, la étudiante du Mexico, il est enceinte, la couche, elle vient de la couche Haïti. Il va aller aux États-Unis, il est Mexico, il fait ses haïtiens. Il est patriote. Dis-moi, après 12 janvier, tellement il est en Haïti, il va partir, il couche à terre là, il est là, tellement il est en Haïti. Quand il y a l'autre, j'en ai un fond, j'en ai besoin de faire l'anglais. Je me dis que quand il y a la couche, j'en barre là. Parce que Gambi Mila qui a besoin de comprendre ça. Que Haïti a besoin d'anglais, espagnol plus que français. Je me dis que j'en barre là, contexte géopolitique là. J'en anglais, parce que français, il perd du poids. C'est moins de 4% de connaissances qui publient en français. Donc, je me dis, il a bien que nous font un petit bar, nous prenons anglais dans l'école de plus. Il dit, mais il dit, ouais. Sous ta mise, c'est du vaso qu'il y a là, on quitte le pays. Donc, ouais. Il va quitter le pays pour 12 janvier, ni les de Mexico, mais parce que me dit français à Kounia là, il a quitté le pays. Donc, mon travail avec tout le monde, c'est ça, son bagage, qui est terrible, c'est les gardiens de l'ordre néocolonial en Haïti. Ouais? Et nous n'arrivons pas à l'ordre des Haïtiens parce que la France est là. Très bien. Ok. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tout, faut que nous gagnions compassion pour nous comprendre. Ça fait le consa genèse là et comme nous sautons dans présentation hein, c'est que les que ou gagnent yon bourreau qui a dominé pendant tout temps ça ou ont tendance pour identifier avec bourreau ouais c'est ça que après les Stockholm syndrome de Stockholm on dit que ou prend on kidnappe li kidnappe yon moun après yon temps gen en pile moun qui vin identifier avec kidnapper ouais c'est ça yon rele Stockholm syndrome syndrome de Stockholm ouais côté que
ou vin identifier avec bourreau, avec transgresseur. C'est youn. Et deuxièmement, faut que nous pas oublier, malheureusement, un pétion, ou bien Christophe, yon fait erreur ça, yon invité bourreau, que yon te bataille, yon te rentré dans la coalition pour yon voye bourreau aller, yon réinvité bourreau vin faire, entre guillemets, éducation pour nous, que moi-même, Dr. Ozo, en citant Carter G. Woodson, nous relais mal éducation. Ouais? Donc, c'est tant que nous invité bourreau, vin mettre chaîne dans notre cerveau nous, et à nos jours, chaîne dans notre cerveau nous toujours. Parce que comme Dr. Ozo fait allusion, yo contrôle ministère éducation haïtien. Ouais? Ça c'est clair. Oui, vive ça moi ça même. Donc c'est chaîne li nan cerveau nous. Donc faut que nous gain compassion pour frère nous action nous yo et pour nous comprendre tout que changement c'est pas un événement mais son processus que lié et ça prend temps pour nous comprendre nous gain compassion ça fait frère nous action nous yo agi Jean yo agi a et yo penser Jean que yo penser a mais avec respect avec un pile l'amour pour nous toujours continuer à essayer faire travail de transformation. Ouais, merci. Et dernière ligne droite n'a pas l'état le comme ça 5 commentaires juste n'a pli yo et nous capable dire ça nous plaît sous yo excusez-moi, il y a un monde qui est en mute. OK. Donc, il y a une question et une dernière question. Participant a demandé comment nous comprendre un monde qui a marché dans l'ancienne plantation, côté qui était esclave, et qui attendait voir l'esprit ancien esclavio qui a demandé justice et pour établir valeur humanitaire. Et me pose question hein? Jean participant à Mandel. Yon esclave kap mache? Comment nous comprendre yon moun kap mache nan ancien plantation côté qui te gen esclave? Oui. Et qui attendé l'esprit ancien esclave yo kap mande justice et pour établir valeur humanitaire. Bon, me pense que ça va dépendre de qui perspective cap traverser moun sa ki l'implantation sa cap tande voix esclave yo et docteur Lubin on mute tête ou parce que son seul micro nous tande docteur et François très bien ou met on mute tête voilà ou met aller docteur et oui donc je d'accord pas fait encore. Oui, donc, je peux dire... mute, you know, monsieur. La perspective, nous campions, nous campions, c'est vrai, nous campions, c'est pas nous campions en plantation, hein? Mais nous avons perspective dans la tête, nous, et Papa Nation, qui fait une demande de justice pour anciens esclaves. Donc, je pense que je veux dire, plus que justice que nous avons des Alines, c'est fait haïtien, chita ensemble, pour nous démarrer. Plus que justice que nous avons des Alines, c'est fait que nous rachetons l'éducation pays, dans les Français. Que nous retirer nous venons une grande tête non nous prenons l'éducation en main donc je veux dire ça fait nous une perspective des alliés donc monde ça et ça va dépendre de quelle perspective qui est dans lui-même ce sont monde qui perspective pétion ou bien tout ça ou bien l'ouverture donc bon pour lui-même tout bas enfant donc c'est haïtien et haïtien a toujours été dans lui-même donc ça va dépendre de quelle perspective qui est dans lui-même ça fait libre via pour notre travail de Jean docteur ici là pour nous faire conscience là pour que nous défatiguer pour ça. Très bien. Merci, docteur François. N'appli commentaire yo et n'appli yo d'un trait. Et puis après ça, nous-mêmes, nous réagi pour nous capables de passer le mot de la fin. Gagne un commentaire qui était sorti sur Facebook. Et c'était même mes participants. Et lui dit, même si philosophie Platon, c'est un poison, faut nous tout apprendre et ces pensées Platon, Socrate avec Monsieur Période Lumière et
quoi Kant, Rousseau, Montesquieu qui boussole société occidentale là. Un commentaire. M'appli l'autre commentaire yo et puis n'a pas seule réaction, m'a kon si mande nous trop ou bien nous voulez c'est un à un. Jean que vous voulez. OK. Et l'autre commentaire là, commentaire yo et participant enchaîné plusieurs bons commentaires, il dit selon Claude ak Bonaparte Auguste ak en pile l'autre source, pas gain preuve drapeau bleu rouge là créé à Caen. Et participant font commentaire, il dit question race là, c'est une construction coloniale. Mais ça c'est quoi avec nous Alain Bural? Il continue pour dire l'important pour nous faire différence entre abolitionniste et raciste. Et il finit pour te faire un commentaire qui est assez intéressant. M'a fait nous remarquer une différence fondamentale entre Dessalines et Toussaint. Dessalines rentre toute plantation et atelier dans le domaine de l'État. Toussaint pas qu'à traverser l'île. Okay. Donc, nous avons réagi sur ça yo, et puis nous apprenons pour avant le mot de la fin, nous apprenons et remercions. D'accord, ma pense à réagir. D'abord, question que vous avez posée tout à l'heure, c'est une question qui a un aspect mystique dans la mystique. Donc, les gens qui ont plantation, ils ont des gens qui ont parlé avec eux. Je pense que dans Boudoua, peut-être que ça s'entend bien qui dans Boudoua. Et vous connaissez que dans Boudoua, par exemple, il y a des lois, par exemple, les salines n'ont pas été en Boudoua, sont loyers, donc au bout, donc les salines gagnent comme si que vous doivent. Bon, c'est sûr que vous ans qu'on attendait et des bagages comme ça. Et je pense que je veux dire, hein? Ouais, s'il n'a pas la dîme, vous voyez, il n'a pas la dîme, Boudoua, ça va faire tout possible. Et je veux dire, même monsieur post-politicien, il connaît ça, son bagage est possible. Et son bagage, il n'a pas à expliquer pour expliquer. Mais il est possible. Ouais, ça va faire. Ouais, et la cosmogonie. Vodoua pas gagné la mort, moun pas mouri. Ouais, c'est pas esprit ou pas ka ni créer esprit ni détruire esprit. On dit nan terme physique. Ouais. Donc les que soi-disant entre guillemets yon moun mouri nan cosmogonie vodoua, c'est que moun nan jambé, li traversé la non l'autre plaine, mais li pas mouri. Moi-même, maman jambé en avril, mais moi gagné, moi assuré nous et pas penser que moi fou, mais moi en communication avec maman régulièrement et religieusement. Donc, dans vodou, dans cosmogonie vodou, pas gain question mouri. Donc, pas quitter un monde qui t'a fait penser que ah, mon cher, c'est non l'autre monde que vous avez, que vous avez des voyous. Non, mais moi-même, je respecte ça. Oui, il y a des gens qui attendent des voix. Et si vous avez une préparation qui fait, qui a un entraînement qui fait, ou qui attendent des ancêtres où vous avez parlé avant. Et moi-même, dans le travail ça que m'a fait, ça qui m'a force, c'est que moi connais des ancêtres que vous n'avez pas jamais la gueule. Et je pas peur. Et c'est ça qui fait ma pensée. Moi, pas peur, parce que nous prenons les ancêtres, ils sont toujours là pour nous courir. Oui, alors, pour les gens qui font suggestion sur. Alors, qui vient à la lumière sur Platon, oui, Platon, Aristote, Socrate, ça, c'est société, c'est eux-mêmes qui font la société occidentale, là, ouais, les Kant, bah, mais quand on connaît que je dis tout, littérature critique, là, très dure avec ça, parce que eux-mêmes, c'était des racistes, esclavagistes. Et comme si et yo ba yo ça mérite déjà en littérature postcoloniale, littérature décoloniale, littérature afrocentriste, ba ta one ça one critique historique, yo ba yo ça mérite déjà yo one. Donc yo c'est modèle société européenne yo ça dans jamais, mais pas pour nous. Je dis faut apprendre comme je dis ouais ça gens ouais, et faut connait toujours bien next ça tout quand tu rappelle que next ça c'est l'Égypte que yo t'ai apprendre, c'est l'Égypte que t'ai copié, t'ai imité. On compte ça. On toujours ouais, nous ça. Ouais, et y a un grand souci pour ça dernier ça docteur Ozodia, c'est James.
dans sacré les the stolen legacy qui montre sans équivoque que en pile dans ça que n'après les sciences la Grèce etc. bagaille ça c'est connaissance volé que et donc et moi bon garanti tout même blanc qui anti oppression anti raciste yo pas souscrit à notion Platon au point côté que nous joignons dans République Platon côté Socrate a fait un dialogue avec Glaucon et l'a dit que oui l'a créé un mythe que un mythe de sang côté gien monde qui gien l'or dans sayo gien c'est cuivre yo gien dans sayo et gien c'est argent que yo gien dans sayo ouais donc ça qui gien l'or yo dans sayo c'est yo qui doit à gouverner etc. ouais donc même frère axe blanc nou yo qui anti oppression qui anti colonial et qui est qui nan mouvement décolonisation yo pas souscrit à malpropreté comme ça mais maintenant pour moi arriver avec la question Alain et différence entre abolitionniste et raciste effectivement oui grande différence parce que nous avec chercheur c'est un abolitionniste même c'était raciste et Abbé Grégoire c'est un abolitionniste mais c'était raciste ensuite faut nous comprendre tout et grand aspect tout et abolitionniste là n'est ça a été comme si tout était comme si pour Haïti était libéré mais était comme si pour esclave tout était copié modèle français donc parce qu'il y a le racisme culturel. Et c'est ça, Jean-Alice Corré dit ça tout. Il dit que de ça, une bataille soit avec question raciste, mais au niveau de ça, une bataille pas atteindre, niveau raciste culturel. Là. Et vous comprenez ça, l'entendu, monsieur, pas de l'impact, pas de l'impact, pas de l'arrivée là. Et nous, il y a nous, il y a qui là, il faut que nous continuions l'évolution, pas de ça. Il faut que nous entrions dans le racisme culturel. Là. Ça veut dire, parce que je veux dire, connaissance, c'est que ça, on modèle nous pas la France, modèle nous pas l'Europe. On nous gagne 100 nous. Ça tombe à l'Europe, tout va comme ça. Nous ne pouvons pas aller au centre. Donc, il faut que nous déconstruire ça. Ça fait que nous sommes chercheurs. Nous avons cité monsieur, mais il faut toujours rappeler que nous sommes racistes. Il faut toujours rappeler que avec le roi de raciste. Ça fait que nous sommes bonheur pour nous mettre nos monsieur, nous avec le roi, comme si Pétionville. Vous avez le roi, vous monsieur. Donc, c'est ça. Ou bien, pour m'ajouter, prends une. Crédit à bail que c'est Abraham Lincoln qui abolit l'esclavage dans les États-Unis. Mais sous lit Abraham Lincoln, Michel Doux, que quand il s'agit de la comparer noir là avec blanc, il connaît que race, entre guillemets, race blanche, y a une race supérieure et race noire là, il est inférieure. Donc, Abraham Lincoln, c'était un raciste dans ce sens-là. Bien que c'est lié au crédité qui abolit l'esclavage dans les États-Unis dans les années 1865. Ouais. Et si nous allons plus loin dans l'histoire, là, nous voyons que l'ITFL, c'est une stratégie. Parce que l'ITFL a besoin de Noirs qui dans le Sud pour une bataille contre un ami. À l'armée confédérée. Ouais. Donc, par contre, il n'y a pas libéré esclaves dans le Nord, yo, parce que il n'y a pas besoin, mais il libéré comme une stratégie militaire pour créer chaos dans le Sud. Il dit que il abolit l'esclavage dans le Sud des États-Unis. Donc, oui, nous d'accord 100% avec frère nous Alain Louis Hall que gen abolitionniste, gen le racisme et normalement nous-mêmes moi-même avec docteur Ozo et comme nous fait très clair dans le livre nous le racisme c'est pas un bagage que nous traiter légère et nous identifier quatre différents types de racisme qui surtout affectent nous notamment racisme structurel racisme institutionnalisé racisme intériorisé par exemple où je viens en pile noir. Majorité noire nous connaît, yo intériorisé le racisme côté que yo pensait noir yo même avec l'autre noir pareil yo inférieur et gen racisme structurel tout. Donc nous d'accord avoir 100%
historien Alain Vital. Merci, docteur François. Merci, docteur Lubin. Et si m'a pli dernier commentaire, c'est pas pour nous réagir parce que n'a pas obligé de voir mon y aller. Et sinon, on a prêté par principe. Et gagner des mots de remerciement, citer mon yo, puisque vous écrit nos poulies. Oriol Juste, et exprimer remerciement ni, docteur Merville, Vertuli Vincent, et exprimer remerciement yo. Et gagner Nikita qui était sur Facebook qui exprimer remerciement tout, mais qu'elle relait les conversations tristes, mais l'utile. Et lui mentionner tout comme commentaire que j'ai l'impression qu'il n'a pas peut-être pas considéré tel, tel, mais c'est moi-même, mais il dit non, pas parler de Henri Christophe. Et monsieur, c'était un visionnaire, quoique il était un tyran. Il était bon pour nous étudier et suivre et vision, bâtir l'école et éduquer peuple, et là, et puis construire. Et un autre commentaire, et participant dit, Abraham Lincoln, pas de quoi blanc et noir qui vivent ensemble. C'est ça qui est à l'origine Libéria. Et on l'autre commentaire encore, oui, nous pas qu'à prendre européen comme modèle, mais faut que nous connaît penser yo. JFK était raciste tout. Et après ça, c'est un pile remerciement, un pile félicitation et m'va l'inviter nous tous les deux à bon mot de la fin yo, sauf que docteur Libem j'ai l'impression te répondre à ça, mais m'appelle quand même. Et Guy Bozil te font commentaire avant l'autre et dit ou toujours oublier remercier madame ou monsieur dit ou et docteur Lubin ou pas jamais oublier remercier madame ou simplement ou toujours quitter sac pi bon pour ou en dernier. Donc et n'a pas sac pi bon pour toute équipe là en dernier là mot de la fin et le dernier en ligne droite et m'pa gen bouche pour me dire merci et m'a écrit question m'a appliqué ça et m'a noté tout. Donc c'est des bagages extraordinaires. Et mot de la fin, n'a pas un genou. Voilà. Qui est-ce qui a commencé avant? N'importe quoi. C'est moi parce que je suis obligé d'aller à comme de faire là. Et excusez-moi, je vais d'abord, je remercie Haïti Éducation et remercie Zamim et Frère Bozil. Et je remercie Madame Tounadej donc, pour belle émission, ça, pour la possibilité que vous accordez nous. Et moi merci toute équipe à essayer d'action en tirant possible programme ça donc me content en pile donc parce que très bientôt on va retourner encore parce que faut que nous présenter travail sur l'éducation projet sur l'éducation que nous gagnons hein. Donc on va retourner donc moi remercier tout le monde qui participe tous dans mieux dans même panel Merville parce que c'est panel là donc merci en pile panel de ce côté là Zamir encore docteur Hippolyte qui est au CAI Alain Rural. Donc tout l'autre monde yo donc merci en pile Nikita tout monde pour remarque nous pour belle question non donc merci en pile donc Kimbela et à bientôt à très bientôt merci et moi-même là tout Nadej on mute docteur Lubin et on mute myself okay. Yes please. Très bien. Merci en pile Haïti Éducation avec tout staff qui t'a fait conférence ça, li possible. Et nous connaît que l'on nan cuisine nan, c'est parti travail, sans pile travail, sans pile chaleur, sans pile tête fait mal, etc. Donc, c'est à tout que nous apprécier ça. Et témoin. C'est qu'on y a remarqué que docteur Fanel Merville est avec nous qui sont collaborateurs et n'a travaille sur un série de grands bagages pour nous faire en Haïti notamment nous déjà créer un curriculum, nous préparer un grand programme pour nous instituer un programme de leadership qui a préparé administrateur en Haïti mais malheureusement en vue de tout ça qui a passé, ça n'a pas matérialisé, mais plan yo là et nous a avancé et nous avons travaillé d'arrache-pied. Docteur Fanel Merville, moi remercie en pile, m'a remercié et m'a salué
Marie Bozil, je connais son monde qui est toujours là pour supporter. Depuis que m'a présenté li présent et moi qu'a senti l'amour et gon synergie qui dégagé. Merci en pile Marie Bozil et m'a remercier tout l'autre monde que moi pa wè et connaît que nous dans cœur moi remè nous en pile c'est pas que et pas nous que moi-même avec docteur Ozo nouye et nous là pour nous servir nous. C'est ça. Donc pas hésiter depuis nous besoin docteur moi-même docteur Ozo avec moi-même juste souffler l'ambia et n'a pas n'a préparé moi vraiment en pile à Rostini moi vraiment en pile Nadège merci en pile mille merci et bien et sous notre ça n'a pas dit que nous aimons prendre ça d'ailleurs nous pas même besoin de dire encore et là les deux directions et Morgan Magie ces jours-ci ou a déniché et ou a identifié j'ai l'impression son Google tout ou a identifié même caché Haïti du action une après l'autre et ou a aller au mettre dehors ou a mettre projecteur sur yo c'est une bonne chose merci et c'est effectivement c'est un véritable travail d'équipe et ça mon yo wayan li pas équipe là son point dans équipe là lié chaque monde gagne job yo donc n'a pas job là merci pour présence ou effectivement pas Jean Marchand des concours docteur François pas Marchand del tout n'a pas remercier d'abord non pas mais n'a pas remercier tout meilleur monde production et n'a gen content nous pour nous présenter li pour nous veiller espace ça pour li particulièrement la relance après Covid là de et adieu l'école injuste on dirait son rituel depuis m'a présenté ou a présenté mais il est même toujours devant moi où elle l'a mis là ça il est toujours là avec tout papier tout paquet pareil note qui prend la donne donc merci encore pour présentation hein. Porte-toi bien et puis à la prochaine merci tout le monde passons une très bonne semaine et célébrez bien et ouais drapeau l'autre Dieu et puis kembe là bonne fête drapeau tout le monde merci.